amis, bien bonjour. Bonne Guadeloupe, Martinique, Guyane. Bien bonjour. Désolé pour le retard. On est en train de faire des tests, etc. Les amis, bon, ça fait. OK. Bon, aujourd'hui, les amis, on va parler de. On va recevoir Gabriel Foy, OK, qui est candidat à l'élection de. Comment dirais-je, la Chambre des métiers et de l'artisanat. OK. C'est une structure, c'est une collectivité, une structure. On va voir avec lui tout à l'heure, qui accompagne les entreprises locales. Les entreprises, l'artisanat, tout ce qui est production, etc. Nous allons parler des CVI. Vous lui avez posé vos questions. Voilà, vous avez toutes questions à votre bail. Nous pouvons CVI. Il va vous répondre en toute transparence, comme d'habitude. Parce que vous savez, l'essence même de la poste sans fil, c'est ça. Hein? C'est être sans fil, c'est dire les choses, parler. Voilà. OK? Donc, on va le recevoir sans plus tarder, les amis. Gabriel Foy. Partagez le live, les amis. On est en direct sur YouTube aussi. Partagez le live là-bas, tous les amis, à votre cousine, à votre tante, à votre, etc. Là, nous allons parler de Guadeloupéenne, d'un sujet qui a concerné la Guadeloupe, les entreprises guadeloupéennes, la jeunesse, etc. OK, les amis, nous allons lancer le générique là. Et bonjour, Gabriel Foy. Bonjour, monsieur Damazo. Bonjour, les Guadeloupéens. Bonjour, les Antillais. Bonjour, les artisans des îles de Guadeloupe. Et surtout, bonjour, la diaspora, c'est ça, nous va dire. La diaspora oui, oui. Qui regarde la poste sans fil. Donc, effectivement, c'est un honneur ce matin d'être parmi vous. Ouais. Et surtout, d'expliquer ce que c'est la Chambre des métiers et les artisans. Et c'est effectivement, nous avons préparé les élections de la Chambre. Du 1er au 14. Donc, je serai en toute clairvoyance et expliquer le fonctionnement, comment ça se passe et ce qu'on mettra en place pour les artisans de demain. D'accord. Bon, avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si, parce que bon, Nyolo Mounka suit vous, si, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à tout ce qui se passe, l'attention, par rapport à la vaccination, etc. Quel est ton point de vue, comment tu vois les choses? Effectivement, je suis quand même un citoyen, je suis quand même un chef d'entreprise qui aujourd'hui souffre par rapport à cette pandémie, parce que nous savons très bien que dans le monde, la structure guadeloupéenne est un peu compliquée par rapport à cette pandémie. Donc, nous sommes des très petites entreprises, donc nous avons vivre plus souvent du tourisme et aussi nous avons vivre aussi de l'économie interne en Guadeloupe. C'est vrai que c'est un vrai débat de dire... la COVID aujourd'hui cause beaucoup de nuisances à l'économie guadeloupéenne, mais demander la vaccination de tout un chacun, c'est un choix personnel. Oui. Je me vois mal d'aller dire à tout le monde, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Je crois que c'est un choix personnel. Et chacun, en son âme et conscience, doit prendre conscience qu'une économie doit évoluer. Pour être plus fort, il faut que tout un chacun fasse le bon choix. Et le bon choix, c'est chacun, en son propre intérieur, doit le faire. Que ce soit vacciné ou pas, chacun doit le faire. Ensemble, aujourd'hui, d'ici le 15, il y a la vaccination obligatoire au niveau des personnes qui travaillent dans les entreprises, des clients qui viennent, parce que moi, ensemble, boulangerie-pâtisserie, donc les clients qui viennent manger sur place. C'est compliqué parce que je me vois mal demander aux clients, oui, si vous n'avez pas votre passe, vous êtes mis sur le côté, vous êtes mis dehors. Ouais. On le fait quand même parce que c'est une obligation, parce que on a souvent des contrôles, mais je pense que c'est un vrai problème parce que chacun doit rester à sa place. Et moi, aujourd'hui, ma place est de produire, de vendre, et la place du gendarme ou du contrôleur, c'est de venir contrôler si les gens ont ou pas. Je ne peux pas me substituer à leur place et faire leur travail à leur place. Ouais, chacun sa compétence, quoi. Tout à fait, tout à fait. OK. Alors, pour commencer, alors, l'élection prochaine, justement, intervient dans un contexte inédit en France, voilà, encore une fois, sans mauvais jeu de mots, foi, Gabriel Foy, encore une fois. Non, il ne faut pas délirer, tu vois, on est. Non, hein, non, bon. Mais il n'y a pas de souci. Alors, depuis 2016, date de l'élection statutaire, c'est-à-dire normal, après 50 mandats, la Chambre des métiers de la Guadeloupe n'a jamais pu élire un président normalement et a pu disposer d'un président au travail pour la durée d'un mandat de 5 ans. C'est-à-dire au mieux, les différents acteurs ont pu se maintenir que sur 8 ou 9 mois.
OK? On va rappeler les faits tout à l'heure par rapport à ça. OK? Nous pouvons revenir sur tout ça tout à l'heure. D'accord. Mais dans un premier temps, alors, est-ce que tu peux te présenter à la population guadeloupéenne qui ne te connaît pas? Alors, très bien. Quel est ton parcours professionnel? Alors, effectivement, d'abord, je dirais que je suis un Saint-Trois et après, je dirais un Guadeloupéen. Ah, tu es des Saintes? Je suis des Saintes. Ah, d'accord. Je suis né à Terre-de-Haut, dans l'île Autrement d'Avon. Donc, ouais. Depuis ma naissance, en fait, j'ai été pétri dans l'artisanat parce que ma grand-mère était spécialiste de tourment d'amour. D'où l'amour de ce métier. C'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a éduqué. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si je suis pâtissier, c'est grâce à elle aussi. Parce qu'elle m'a inculqué la valeur du travail, le respect, la passion de ce métier. Souvent, on disait que c'était un métier de voie de garage quand j'ai démarré il y a plus de 30 ans. Et qu'aujourd'hui, c'est de l'excellence. Qui je suis? Chef d'entreprise, j'ai 3 entreprises. J'avais 4 entreprises, j'ai fermé une entreprise pendant la COVID. En moyenne, 25 employés. Je suis l'un des plus grands pourvoyeurs d'apprentis. Donc, l'un des plus grands formateurs de Guadeloupe, de notre jeunesse, en boulangerie-pâtisserie. Dans mes 3 structures, quelque part, je suis dans la zone artisanale de Jarry. Je suis à Pointe-à-Pitre, j'étais à Pointe-à-Pitre et je suis à la Marina. Pour aller encore plus loin, nous sommes en train de travailler pour la Guyane. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mes entreprises, les pâtisseries Gabriel, sont reconnues à travers la Guadeloupe, à travers, je dirais, même la Caraïbe. J'ai beaucoup travaillé dans un grand groupe, je dirais, français, la Maison Kaiser, où j'ai fait mon apprentissage aussi. Je travaillais dans un grand groupe, le Marché Conseil, où il y avait pas mal de chefs. Et en 2010, j'ai créé ma première structure Gabriel. Donc, j'ai ouvert un Gabriel en 2010, un Gabriel en 2013, en 2016 et en 2019. J'emploie beaucoup d'Antillais, beaucoup de Guadeloupéens, des Marie-Galantais, des Désiradiens, des Saint-Trois. Ce qui veut dire que je veux vraiment inculquer un savoir-faire et faire de la transmission. Ça a été toujours ma passion. Il faut savoir que pour réussir dans notre pays, Guadeloupe, parfois, il faut se cacher. Et c'est vrai que quand j'ai créé Gabriel en 2010, ben, j'ai dû me cacher dans mon pays. Pourquoi? Que dire le nom Gabriel, c'était la famille Gabriel, c'était des Béquets, Guadeloupéens ou Martiniquais qui ont investi pour réussir, pour traverser. Parce que je savais comment ça se fonctionnait. C'est peut-être malheureux à dire, mais je le dis aujourd'hui, il fallait exister à travers ça. Et 2 ans après, ben, tout le monde savait qui j'étais. Et ensuite, j'ai continué ma route. En tant qu'expérience, j'ai été élu en 2013 le 2e meilleur artisan de Guadeloupe et premier dans mon domaine d'activité de la pâtisserie. OK. Une petite anecdote, j'ai fait l'inauguration du Memorial Hack où il y avait plus de 750 convives et plus d'une 20aine de chefs d'État, d'où j'ai été sélectionné par l'Élysée pour confectionner le dessert et le pain. Donc, quelque part, j'ai été aussi dans des concours de dessert à l'assiette, concours de la meilleure baguette, etc. Donc, je suis un passionné, je suis un artisan et je travaille pour mon pays. D'accord. Tu m'as dit que tu es des Saintes? Tout à fait. Tu es né à Terre-de-Haut? Tout à fait. Je suis né à Terre-de-Haut, j'habite Terre-de-Bas, je suis un pur Saint-Trois. À part qu'on n'y pas un lien de parenté vers ou qu'on s'y fait dire, non? Non. Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Pourquoi vous nous rappelez? Tout à fait. Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, nous sommes tous une famille. Donc, c'est un petit boutade comme ça. Tout le monde se connaît, mais ouais. Je crois que je suis quelqu'un de respectueux et de valeur, donc je fais attention à tout ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la Chambre des métiers de l'artisanat? Quel est son rôle? Et combien de personnes à peu près composent la Chambre des métiers, justement? Je parle du personnel. Alors, le personnel, il y a en moyenne à peu près 83 salariés. Ce qu'il faut savoir que en physique, il n'y a pas forcément 83, il y a une 60aine. Mais il faut conclure, vous avez des personnes qui sont en mission, par exemple des formateurs qui viennent pour des missions bien spécifiques. Donc, il faut les comptabiliser dans le groupe. Donc, c'est en moyenne à peu près 83 salariés que contient l'institution. Il faut savoir que l'institution est sur 2 pôles. Je dirais même 3 pôles. Il y a le pôle Grande Terre où il y a la formation pour tout ce qui est métier BTP. Ensuite, il y a le pôle
Basse-Terre, où il y a l'URMA, l'Université des métiers, où il y a le pôle alimentaire coiffure, et il y a aussi le siège qui se trouve pas trop loin du champ d'Arbeau. D'accord. OK. Donc, alors là, on va revenir sur les faits, là. Parce que pourquoi je te disais que... Parce que pour, bon, on va revenir pour les gens qui ne sont pas au courant. Pourquoi la Chambre des métiers n'a jamais pu élire un président normalement? Voilà, un président n'a jamais pu briguer son mandat pendant 5 ans. Alors, on va rappeler les faits. Le 14 octobre 2016, il y a eu l'élection de la Chambre des métiers, justement. Il y a eu 4 listes qui se sont affrontées. OK? Alors, il y avait Simon Vainqueur, Patrick Chouan, Franck Lasserre et Fabrice Calabre. C'est bien ça? Alors, la liste conduite justement par Calabre sera finalement hors jeu parce que son dépôt de liste a été invalidé. Alors, la liste conduite par Franck Lasserre, justement, gagne l'élection et Franck Lasserre est le nouveau président. Donc, en 2017, il y a un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, justement, qui a annulé l'élection, justement, par rapport à une fraude, c'est ça? Par rapport à une fraude. Alors, en juin 2017, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement par rapport à l'annuler par rapport à la triche. Alors, les actions entamées auprès du Conseil d'État n'ont pas fluctué pour diverses raisons. Bon, bref, en 2018, nouvelle élection de la liste et la liste conduite justement par Simon Vainqueur gagne. Simon Vainqueur sera ainsi nouveau président de la Chambre des métiers. En 2019, Simon Vainqueur a été révoqué. Hein? En 2019, justement, Gabriel Foy, tu as été élu à la tête de la Chambre. Okay? En 2020, le préfet dissout l'Assemblée générale de la Chambre, justement, qui ne parvient pas à permettre le fonctionnement normal de la Chambre. Alors, Gabriel Foy n'est donc plus président. Hein? En 2020, il y a beaucoup de faits. Hein? En 2020, suite à cette décision, le préfet a organisé une mise en place, justement, d'une délégation spéciale, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a passé même dans toute bidon ça? Pourquoi il y a autant de beaucoup sous autour de tout ça? Très, très bonne question, Eric. C'est bizarre. Alors, tu as relaté les faits et c'est exactement ça. Ouais. Le 14 octobre 2016, effectivement, les élections se passent. Monsieur Lasserre gagne. Il faut savoir que Monsieur Lasserre a gagné cette élection. C'est l'une des élections qui a eu plus de suffrages dans la France, dans toute la France hexagonale. Il faut savoir que lors d'une élection d'une chambre de métier, en moyenne, les artisans votent à hauteur de 10-20%, pas plus. Cette année-là, il y a eu 37% de vote. Donc, c'était exceptionnel. Effectivement, il y a eu des dépôts de plaintes, comme quoi qu'il y a eu fraude. Donc, le tribunal a statué, a effectivement avoué qu'il y a eu une fraude électorale. Donc, l'élection a été invalidée. Entre-temps, il y a eu une commission de gestion qui a été nommée par la préfecture. Cette commission, ce sont des organisations professionnelles qui font la demande avec le préfet pour nommer une commission de gestion en attendant de nouvelles élections. Il faut savoir qu'en 2018, effectivement, nous allons aux élections. L'équipe, il y a eu l'équipe de M. Vainqueur, l'équipe de M. Lasserre et l'équipe de M. Chouan, dont je faisais partie. Donc, effectivement, lors de cette élection, M. Vainqueur gagne l'élection, c'est la démocratie, c'est normal. Il est président. Donc, il obtient, alors, au niveau des sièges, c'est en fonction du nombre de voix que tu as, la quantité d'élus. C'est-à-dire que si, par exemple, les 3 listes, on n'avait fait que 100 voix, ben, on n'aurait eu que 2 sièges. Monsieur Vainqueur aurait eu 18 sièges et Monsieur Lasserre, toujours 5 sièges. C'est en fonction des quantités de voix. Donc, on a eu un suffrage de, je crois, 600, à peu près 700 voix. On a fini 3e. Donc, Monsieur Vainqueur a gagné. Il a eu 17 sièges. Monsieur Lasserre a eu 5 sièges et nous, l'équipe de Chouan, on a eu 3 sièges. Donc, ça fait 25 élus. Donc, l'Assemblée générale est constituée de 25 élus. Monsieur Vainqueur travaille sereinement, etc. Il fonctionne et tout. Il s'avère que dans le courant de l'année 2019, il y a eu une dissolution entre l'équipe même de Monsieur Vainqueur et lui-même. Donc, les 17 personnes, il y a eu presque la moitié de son équipe qui se sont dissociés à lui par rapport au mauvais fonctionnement de l'équipe en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire bon voilà, mais il y a eu énormément de problèmes
Ensuite, la préfecture constate qu'il y a une désorganisation parce que la préfecture, c'est la tutelle. Il y a la CMA qui gère, CMA Île-de-France qui gère toutes les chambres de métier, mais la tutelle locale, c'est la préfecture. Donc, il y a eu des remontées qui se sont faites au sein de la préfecture pour vous dire qu'il y a un dysfonctionnement en interne au niveau de la structure même. Les statuts ne sont pas respectés, tout est fait n'importe comment. Donc, ce qui fait que le préfet rencontre la direction, l'équipe en place pour voir qu'est-ce qui se passe, quel est le problème, etc. Vas-y. Vous entendez? C'est bon là, c'est bon. Voilà. Et troisième sommation, le préfet décide quelque part de révoquer M. Vainqueur. C'est là aujourd'hui que M. Foy rentre. Il s'avère que les dissidents de M. Vainqueur sont venus voir. Alors, il y a les dissidents de M. Vainqueur, ils étaient 8. Ensuite, l'équipe de M. Lasserre, ils étaient 5. Et l'équipe de Chouan, M. Vainqueur, avant d'être évoqué, a programmé son assemblée générale. Il s'est retrouvé en minorité dans son assemblée générale pour voter le budget, pour voter des délibérations, prendre en compte des délibérations, etc., etc. Il s'avère que ce sont ces mêmes dissidents qui viennent vers M. Chouan et M. Foy pour dire tout simplement est-ce qu'on peut faire une coalition pour trouver une tête de liste. Les dissidents de M. Vainqueur, qu'est-ce qu'ils ont décidé de, ils ne voulaient pas, en fait, ni de M. Lasserre, ni de M. Chouan, ils voulaient quelqu'un de neutre. Mais il faut savoir que je suis un homme respectueux. J'appelle mon leader, M. Chouan, pour lui dire, écoute, M. Chouan, Patrick, on a un souci. Les dissidents de Vainqueur et même de Lasserre souhaitent présenter quelqu'un à la tête de la Chambre des métiers, mais en minorité, et ils veulent me présenter. Est-ce que tu es d'accord? On a fait une réunion le 17 octobre 2019 chez moi, dans mon magasin. À l'unanimité, mon leader, Patrick Chouan, était d'accord. Il m'a dit, OK, banco. On avait 8 personnes autour de la table. Les yeux dans les yeux, il me dit, OK, Gabriel, je te soutiens, on y va. Donc, les élections sont programmées pour le 7 novembre 2019. J'apprends 15 jours, 3 semaines après, que M. Chouan a retourné sa veste. Il n'est plus de l'autre côté. Ce n'est pas grave, je l'appelle, pas de communication. Enfin bref, ça a continué. On a été aux élections, en fait. Et le jour de l'élection, on s'est retrouvé à 24 élus au lieu de 25. Parce que normalement, on devait être à 25. On s'est retrouvé à 24 élus. Donc, comme prévu, je me présente candidat. Donc, il y avait les services de la préfecture. Je me présente en tant que candidat. Ensuite, l'équipe de Vainqueur se présente un candidat qui était M. Patrick Hubert, qui est aujourd'hui candidat aussi à cette élection. Nous allons aux élections. Le vote se passe très, très bien. Premier tour, nous faisons 12 voix pour Gabriel Foy, 12 voix pour Patrick Hubert. Donc, pour l'instant, nous en mêlons. Bita. Ouais. Donc, nous allons vers un deuxième tour. Et au deuxième tour, c'est au bénéfice du plus jeune, de l'âge. Donc, sachant tout cela, qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils présentent une nouvelle candidature. Ils retirent M. Hubert. Ils mettent Mme Cancel. Quand je vois ça, qu'est-ce que moi, je fais? Je retire ma candidature et je mets M. Guillaume. Mais comme ils savent que M. Guillaume, qui était avec eux, est le plus jeune du groupe, les 24 élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent tout de suite la candidature de Mme Cancel. Le préfet, M. Gustin, en ce temps-là, tape du poing sur la table et dit, on arrête cette mascarade. On y va pour faire le vote. C'est soit vous laissez votre candidat ou vous ne laissez pas. Donc, ils retirent le candidat, la candidate Mme Cancel, et ils mettent le candidat Patrick Chouan. Donc, nous, on retire le candidat Guillaume et je me repositionne. Et c'est comme ça que j'ai été élu toujours 12 voix à 12 voix, étant donné que j'avais un an de moins que M. Chouan, donc je gagne cette élection, voilà. Et élu par mes pairs, je le dis, et non pas par la préfecture, parce que souvent on a été dire
que Gabriel Foy était le président de la préfecture. Non, ce sont mes pères qui m'ont élu, c'est-à-dire les élus qui constituaient l'Assemblée générale. Mais ce qu'il faut savoir, Eric, c'est que je suis un président, je suis d'accord, mais je n'ai pas de majorité de travail. Non, pas ni majorité, parce que j'étais dans la minorité. Donc, ils ont pris quelqu'un de la minorité pour le propulser président. Et dans, le préfet a révoqué M. Vainqueur, mais il n'a pas révoqué leur bureau. Donc, dès le lendemain, j'ai pris mon bateau de pèlerin, j'ai Vous m'entendez? C'est bon. Voilà. Dès le lendemain, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai appelé les membres du bureau pour en travailler. Il y en a qui ne m'ont pas répondu. Et nous avons commencé à faire des réunions. Première réunion, une semaine après, boycott. Ils ont boycotté la réunion. Pas de quorum. Parce que je n'ai pas de majorité. J'ai que quatre personnes plus moi, ça fait cinq, et j'ai sept de l'autre côté. Première réunion, boycott. Deuxième réunion, donc ça a fait la une sur la radio, oui, voilà, Biwa Foy n'a pas fonctionné depuis un semaine. Mais il n'y a pas de majorité, qui joue au travail. On ne peut pas, ouais. Deuxième réunion de bureau, pareil, boycott. La loi te dit qu'au bout de trois réunions, ils sont éliminés. Donc, troisième réunion, tout le monde a fini. Tout le monde a fini, mais tout le monde sait, parce qu'avant les réunions, on a obligation à envoyer les PV et tout ce qu'on va dire dans la réunion à tous les élus. Donc, ils ont tous les éléments. Troisième réunion, c'était pour nous payer, juste un petit aparté, c'est pour nous TP, parler des carrières des agents, parce qu'il y a des agents contrariés qui arrivent à terme. Et si vous n'avez pas tenu un délai de deux mois pour répondre, si vous n'avez pas répondre, ça veut dire que les agents d'office embauchés. Ce qui fait que, troisième réunion, là, ils ont fini, ils ont voté, ils n'ont pas voté à rien, ils ont signé. Il est resté une demi-heure et il est parti faire chimère. Et ainsi de suite, comme ça. On a dû faire, sincèrement, au moins 10 réunions. Et à chaque fois, il a fait les mêmes choses. Même cinéma. Les commissions, toutes les commissions, commission d'attribution de marché, commission de formation, commission de la promotion, etc. Nous tenions au moins 6 commissions. Toutes les commissions, c'est eux qui étaient à gérer parce que c'est eux. En fin de compte, le bureau est. Allô? Oui. Le bureau est resté tel quel. Ce qui fait que la problématique qui se posait, c'est qu'à chaque fois, on ne pouvait pas travailler. Et il y avait des décisions à prendre, donc, nous ne pouvons pas prendre. Quand on voit ça l'a fait qu'à chauffer, il faut en voter budget à moins. Alors, quand on fait, en tout cas, vous voyez les rencontres, les PV, à chaque fois pour la préfecture, les comptes rendus. Donc, mon budget de 2019 a été validé par la préfecture. Et la préfecture m'a rétorqué 20% de mon budget. D'accord? Mais ça tombait bien parce qu'on était en COVID. Donc, le travail continuait à faire. Mais le problème là qui fait là, M. Damazo, c'est que, ensemble, on a une ambition, on a une mission qu'en ville, c'est pour travailler pour l'artisanat. Et on a toujours dit ça. Ils n'ont pas envie de travailler pour Gabriel Foy, ils n'ont qu'à travailler pour les artisans de Guadeloupe. Gabriel Foy, moi, organisé. Donc, s'ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie de travailler pour pays, Guadeloupe, pas envie de travailler, il ne faut pas faire de jeu de mots à la politique, ils n'ont pas envie de travailler pour pays, à nous. Et donc, on a toujours dit, et on a toujours tient le même discours-là. Qu'en fait, là, on voit ne pas fonctionner comme ça, on mettait politique à nous en place. Qui veut dire? Moi, je comprends qui problème que les artisans sont sur le terrain. Avec Canal 10, en signant partenariat avec Canal 10, en toute transparence, et on dit Canal 10, il faut battre les artisans coup de caméra parce qu'on est des artisans qui misaient tout bonnement. Et nous sillonner toute la Guadeloupe. Nous commencer par Terre de Haut. Nous faire Pointe-à-Pitre. Nous faire le Nord Grande Terre. Parce que qu'on voulait surtout aller dans les zones où les mouns n'y problématiques. Nous faire Petit Canal, nous faire Asbertrand, nous faire Mornalo, nous faire Bouillant, nous faire Baïf, nous faire Bastet. Nous faire tous ces côtés à ça en visiter plus de 250 entreprises. Et là, on voit problématique en constatant que les artisans ont galéré beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ni l'information, ils n'ont pas ni la formation, ils n'ont ni des accompagnements que l'État, la région a mis en place, ils n'ont pas au courant de ça. Des dispositifs, la radio, est-ce que vous connaissez des dispositifs leader où ils peuvent accompagner les zones de 80% sur le Nord Grand Terre, ils n'ont pas dit, ah bon, qui m'y ça encore? L'on va dire, est-ce que vous connaissez l'Auda, la RIS, ah bon, qui m'y ça encore?
Et c'est là qu'on constate que nous avons un déficit de communication. Et de pédagogie. De pédagogie aussi. Oui. Et de pédagogie aussi. On ne peut pas attendre vous. Pas attendre moi? Non. Vous m'entendez, les amis, dans le chat là? C'est bizarre qu'on ne peut pas attendre moi. On peut attendre vous bien. Vous m'entendez, les amis? Vous... Répondez dans le chat. On peut attendre moi bien. Ah, mais il disparaît. Vous m'entendez bien? Bon, mais nous pouvons essayer de reprendre là. Parce qu'il s'est déconnecté. Il y a eu un petit problème. Bon, ça va arriver, les amis. Nous, on n'a pas de chaîne de télé. Hein. Nous n'avons pas de Guadeloupe première. Nous pas ni. Voilà. C'est un petit live qu'on fait tranquille. Bon, de temps à autre, on peut avoir des petits problèmes techniques. Et bien, tout ça pour dire, les amis, ils ont fait tout ça qui est sorti là. C'est pour montrer que les mêmes problèmes ne sont pas autour en Guadeloupe. Dans toutes les collectivités, depuis ni on bite, depuis ni l'argent pour en côté en Guadeloupe, ni problème. Ni problème. Depuis ni l'argent en côté à nos collectivités, peu importe CAPEX, CNBT, la région, les régionales, les départementales, il y a départemental, il trichait, on se duel trichait, ça bim, mi allait là, à la chambre régionale aussi. Voilà. Voilà, les amis, c'est. Voilà. Passons vite. Quand on va dire, les amis. On va essayer de voir avec Gabriel Foy si les choses changent. Il peut paraître moins être un bouc qui doit être. Bon, il peut y avoir des défauts avec tout le monde, mais il peut paraître moins quand même. Contrairement aux autres là, c'est les autres là, nous menons à Utah et là. Ces messieurs ont une sorte de beaucoup sous, permanent, on a fait triche, etc. Bon, écoute, on ne sait plus donner la tête à mes amis. Bon, mais il va, je ne comprends pas, il y a un problème, il y a un petit problème parce qu'il n'arrive plus à se connecter. Je ne sais pas pourquoi. Il n'arrive plus à se connecter. Hein. Oh, mais cela a démarré bien, les amis. C'est vrai. Mais on a démarré bien, pas fortement les amis, c'est la technique. Ces techniques-là, quoi. Bon, on va essayer de garder ça, pas jeune ni. On va essayer de garder ça, nous pas faire reconnecter. Ou sinon, les amis, eh ben, on sera obligé de. Soit de reporter l'émission, je ne sais pas. Hein. Mais pas fortement, hein, c'est. Ces techniques-là, c'est le réseau Internet qui n'est pas bon, qui est défectueux. En Guadeloupe, les amis. Mais qui j'ai encore dit, arrête de prendre partie, Fabrice Miuta. On va pas partie, s'il vous plaît. Mais c'est terrible. Ah, je n'entends pas zote, moi. Moi, je ne peux pas partir, moi, Miuta. J'ai toujours pris position. En cas de défendre mon envelé, tout ça qui ne veut pas porter couille à you, tout ça qui ne peut pas prendre décision, ne peut pas prendre position, va payer à you, ça c'est problème à you. Personnellement, moi, je ne peux pas prendre position. Mais je ne peux pas porter couille à moi, en certains couille en bout. Je ne peux pas prendre position. Et tout ça qui ne veut pas. Proposition, même mité pour vaccin, là, regardez, il y a un paquet qui a dit, ah oui, les Guadeloupéens ont le droit de choisir. Moi, pas dit non, les Guadeloupéens ont le droit de choisir. Mais pourquoi il y a une forme de discrimination? C'est-à-dire que il y a une partie des Guadeloupéens qui vont vous dire, vaccinez autres, qui a fait propagande à vaccin. C'est là, par contre, pour mon pas dire rien. Pour mon pas dire, laissez les Guadeloupéens choisir. Mais depuis que vous venez de dire aux Guadeloupéens, pas vacciné, comme moi, encore du Guadeloupéen, vous venez de dire non, tu n'as pas le droit, laisse tes Guadeloupéens. Je ne comprends pas. Discrimination là, ça ne comprends pas. Là, on pas pour. Voilà. Là, on pas pour. Là, on pas pour embêter, vous avez dit, mais là, on est 5 à garder. Mais là, on pour embêter, vous avez dit, voyez. Là, on pour la vaccination, vous avez dit, voyez. Là, on contre lui, vous avez dit, mais là, on est 5 à garder. Je ne comprends pas. Eh bien voilà les amis, on a retrouvé Gabriel. On va se reconnecter. Voilà. Mille excuses. Ça arrive. C'est nous-mêmes. Pas de bon problème. Hein? Non, mais de la réseau là qu'a coupé. Bon, donc voilà, c'est ça. On n'a pas de grand moyen. Nous pas Guadeloupe première. Hein, nous. Bon alors, revenons à nos moutons. Alors, tout ça pour te dire, j'avais une petite question à te poser. Quelle est ta réaction à la découverte des raisons qui ont valu aux affaires aux différentes juridictions justement
qui ont annulé les élections en 2016. Hein? Je rappelle le motif évoqué, c'est triche, vol organisé et massif. Tu vois? Alors, est-ce que tu as des nouvelles justement aussi de l'enquête préliminaire concernant Simon Vainqueur lancée le 15 juillet 2019? Non, non, par rapport à tout ça, tout ce qui se passe, c'est pas simple, tout ça. J'ai pas de réponse à donner à ça parce que je suis pas inspecteur, je suis pas juge, je suis pas détective. Privé, alors, demandé, est-ce que tu as des nouvelles, c'est tout, hein? Non, j'ai pas de nouvelles parce que après, bon, les affaires judiciaires, ça c'est leur problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je dis, je suis un peu triste pour mon pays, je suis triste pour les artisans de nous donner ce piètre spectacle parce que souvent. Donc, on mettait en avant savoir-faire à nous et nous télariser, en fait, je dirais, de la Guadeloupe et de la France de passer 5 présidents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 présidents passés et 2 commissions de gestion. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Et c'est pour ça que l'homme arrivé en 2019, on dit les camarades, on nous travaille pour le pays Guadeloupe. On nous travaille pour les artisans. On nous travaille pour notre jeunesse. Mais malheureusement, je n'ai pas été compris parce que chacun avait des intérêts. On savait que ce n'est pas tes équipes en moins. On savait qu'on pas venu avec pour moule parce qu'on venait tout seul, on partit tout seul. Mais encore une fois, ben, la préfecture a pris la décision de dissoudre et de nommer une commission. Il faut savoir que quand on nomme une commission de gestion, c'est important, c'est choisi par les organisations professionnelles. Les commissions de gestion sont choisies par les organisations professionnelles. D'accord, il y a une liste de personnes et la préfecture choisit en son âme et conscience ces personnes-là pour justement diriger la chambre et tout. Et c'est pour ça que j'espère que cette année, les choses vont aller dans un sens positif. Oui, parce que, pourquoi je t'ai posé la question par rapport à l'affaire sous Simon Vainqueur? Parce qu'il faut qu'on dise à la population, il y a le monde qui part au courant. Parce que notez par ailleurs que Simon Vainqueur a fait l'objet d'une procédure judiciaire. Une enquête préliminaire a été ouverte le 15 juillet 2019 par le parquet de Basse-Terre. Elle fait suite à la dénonciation par écrit par un artisan de faits supposés de fraude massive lors des élections à la Chambre en janvier 2018. Et l'enquête a été confiée au service de recherche de la gendarmerie. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement. Là, sur la barre courante, faut dire. C'est vrai que, comme je dis, il y a des affaires judiciaires, mais ça, c'est. Ça reste dans le cadre judiciaire, c'est eux qui vont gérer ça. Mais je dirais aujourd'hui que moi, ce qui m'inquiète, c'est que les mêmes personnes qui étaient là, aujourd'hui, ils veulent, comme on dit soi-disant, laver le passé et dire qu'on va venir aux élections avec une équipe nouvelle, renforcée. C'est comme si vous êtes vos madame, vous maltraitez, vous avez un paquet de coups, ils quittent, vous avez venir dire, voilà. C'est exactement cela. Et c'est comme si pour moi, après penser que vous avez dit c'est la Pentecôte avant l'air, l'Esprit Saint rejaillit et nous venons pour faire la paix. Non, on se fout de la gueule de qui là. C'est vrai. Non, je pense qu'il y a un moment, et c'est pour ça que je parle aux artisans. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui aujourd'hui, moi c'est la première fois que je viens à l'élection d'une chambre de métier en tant que tête de liste. C'est la première fois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui étaient là, que ce soit l'équipe qui commence avec M. Vainqueur et M. Lasserre et leur patron, M. Ramassami, ils viennent, ensuite M. Hubert et les autres, ben, aujourd'hui, ils viennent comme les cheveux sous la soupe. Ouais, nous sommes sages, nous allons faire présenter là. L'équipe de M. Patrick Hubert, il était là. C'est qui était dans compagnie à, puis j'explique ça, à groupement d'élus qui étaient à boycotter toutes les réunions. Et je dis, tu veux, comme les cheveux sur la soupe, venir dire que tu vas monter là pendant 28 mois, quand on fait ou torpiller mis ces fois, ou matraquer mis ces fois. Monsieur, il faut savoir aussi, c'est une chose qui est très importante, messieurs et dames, c'est que les mêmes personnes qui viennent aujourd'hui ont été obligées de réquisitionner le tribunal, d'accord, pour que ces mêmes Mounassa payent les artisans. Pourquoi? Parce que dans une chambre de métier, tu es un président et tu as un bureau. Le bureau est constitué de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint. Même trésorier là, tu es qu'à faire obstruction. C'est-à-dire qu'on président qui est cantillé, on ne peut pas prendre pas décision à signer pour chèque si trésorier là pas d'accord.
Donc, même si on devait détourner l'argent, par exemple, on ne peut pas faire par cette trésorerie-là. Par contre, la trésorerie-là a un rôle important, c'est de valider les paiements pour les artisans. On est obligé de réquisitionner, pas où vous le comptez, hein, réquisitionner la trésorerie-là pour payer les artisans et les formateurs qui étaient capables de former des jeunes Guadeloupéens. Et je dis, juste, on va venir dire moi ça, vous allez changer les choses, on va améliorer. Non, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais faire, dire la vérité aux artisans guadeloupéens. Pourquoi ils ont dit comme ça? Oui, mais foi, t'es là, ils mettaient foi d'erreur. Oui, foi, t'es là, ils mettaient foi d'erreur. Parce que foi, vrai, au bout de 11 mois, a rien pas avancé, ben, la préfecture décidait, mettez tout le monde d'erreur et nommer en commission. Oui, foi, t'es là, parce que foi, pas t'es fait travail correctement, parce que foi, t'es qu'à essayer de porter mon œuvre avec les gens qui étaient là, qui pâtaient mon aïe. Mais parce que c'est des Guadeloupéens, ben nous pas qu'à arriver à travailler. Et c'est quand même dommage. Mais il faut savoir que pendant cette mandature, ben foi porter manœuvre. Foi avec équipage, parce que foi pas tout seul, a tenu quand même 8 autres soldats. Il y a qu'à remercier yo, monsieur Étienne Ivan, qui est parti à la retraite, monsieur Opé qui est parti à la retraite, monsieur Rodef qui est parti à la retraite, Doudou Diez qui est parti à la retraite, monsieur Barbin qui est parti à la retraite. A quand même pas de remercier ces mounas aujourd'hui là. Il y a trois autres qui restaient, qui a dans l'équipe là avec moi aussi. Ma quand même remercier yo pourquoi? Parce que yo étaient des vaillants soldats et yo tchèbe. Parce que nous mettons en place le chèque artisan pays. C'est-à-dire que nous étions dans une période de pandémie et il faut trouver des solutions. Ben nous créons le chèque artisan pays, ça veut dire quoi? Ben nous créons, nous voyons les communes, les maires communes et nous disons comme ça. On est des personnes défavorisées dans le communal. Bas c'est mon assa des chèques de 100 euros et c'est mon assa qui a dépensé l'argent là, pas dans les grands supermarchés, donc a dépensé pour les artisans. Ce qui fait que l'une des artisans qui jouait le jeu et les artisans t'es qu'à récupérer les chèques. Alors, madame Malérez qui n'a pas ni moyen de payer Timonay en coiffeur, mais boum, avec chèque artisan pays là, il y a qu'à coiffeur là, il y a qu'à boulanger là, il y a qu'à fleuriste là, il y a qu'à couturier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépenser chèque là dans les entreprises locales, quoi, les petites voilà. Et moyennes. Et c'est ça pour nous mettre en place un pays à nous. L'économie circulaire, pour l'argent là reste dans le pays là. L'argent là circule entre nous et pas parti à l'étranger. Et c'est ça nous mettre en place et ça t'apporte succès. Il faut savoir aussi que là nous arrivons, la Chambre tenait un déficit de la, au niveau de la formation de 1 800 000 euros tenait l'argent d'euros. L'arrivée, le 7 décembre, on voit président Chalice et on dit, président, il y a un problème. Ce n'est pas normal que depuis 2017, il n'y a pas payé la chambre les frais, les fonds de formation. Et la région a cadré nous 2 millions d'euros. Avant de partir, on a réussi à faire rentrer quand même plus de 1 million 8 exactement. Ce qui veut dire que tu as resté anti-monnaie l'an parti pour te récupérer. Pareil, il faut savoir que l'UOMA que nous avons bâti, la grande bâtiment que nous avons là, ça a coûté la chambre 500 000 euros à l'année. Parce que ce qu'on comprend, 500 000 euros à l'année. Avant de partir, on m'a dit président, l'équipe à président là, que nous trouvions en solution que nous baissions le loyer là de moitié à 250 000 euros. D'après, sans comprendre que la région validait. Et ce qui veut dire que c'est pareil, nous vivions, nous tenions découvert de 1,8 million. On dit que ce n'est pas normal que la chambre qui a vu si des découvertes comme ça. Donc, nous tirer. Tout l'argent là, ça a passé. Pas comprendre. En fait, c'est l'argent là, en fait, c'est-à-dire que pour que qu'on prenne l'explication forcément en chambre, on tient la partie chambre de métier et on y la partie CFA. Les budgets de CFA, ce sont des la formation qui a payé, qui a fait rentrer les budgets. C'est-à-dire qu'on y, puis on y a apprenti. Puis, au Kétini, financement. Et chaque formation n'y a pris. Par exemple, la boulangerie, l'offre de boulanger, l'État a payé à peu près 5 400 euros. Les coiffures, c'est par exemple 6 800 euros. Chaque formation n'y a pris. Mais puis, on y gêne, c'est puis au Kétini, financement. Avant, c'était la région qui était qu'à financer nous. Mais depuis 2020, c'est les OPCO qui prennent les choses en main. Donc, souvent, on y a 400 jeunes. Soit on est 400 jeunes, mais il y a payé en fonction à 400 jeunes là. Mais pour on y ait un équilibre financier à la chambre, il faut minimum continuer entre
700 à 800 jeunes pour être rentable. À la date d'aujourd'hui, la chambre, la formation, le CFA ne peut pas être rentable parce qu'elle n'est pas assez jeune pour former. Mais et il va virer là, il va verser l'argent là quand même. Oui, il va verser l'argent là pour les 400, mais pas verser l'argent là pour les 800. Mais avant, la région était qu'à verser l'argent là sur les 800. Alors que pas ni 800, ni 400. Alors que pas ni 800. Ça veut dire que l'argent à 400 jeunes en plus là, il va fouiller un pochaillot. Alors, on ne peut pas dire qu'on fouille un pochaillot, c'est-à-dire que. Parce qu'on parlait, on veut dire, l'argent là, il va détourner. L'Ombotini, la région qui a payé, mais où ça, vous avez un contrôle de l'égalité qui a venu derrière. C'est simple. Pourquoi dit la région que, et c'est ça l'arrivée à trouver, la région qui a donné à peu près 2,8 millions. D'accord? Ouais. Mais là, on constate que la région qui a donné 2,8 millions, et qui a donné, c'est en fonction à ça, l'équipe avant voyait. L'équipe d'avant voyait pour la région qu'à la Chambre des métiers, il y a à peu près 800 jeunes. Or, on a constaté que l'arrivée, il y a 375 jeunes. D'accord? Quand le président Charles, il a dit, écoute, pourquoi il finance moi sur 800 jeunes, donc à peu près 1,8 million, parce qu'il était à Radio avant, donc pourquoi il finance moi sur 800 jeunes, mais il a dit qu'aujourd'hui, il n'y a que 400 jeunes. Donc, la région, parce que même si la région bat l'argent là, il n'y a surplus. Il y a un contrôle de l'égalité qui dit, ben, vous voyez papier à les 800 jeunes, ça contrôlait quand même. Hein. Et donc, en langue, il va dire, c'est nous n'y a que 400 jeunes, et il payait nous aussi 400 jeunes. Par contre, le problème qui se passe, c'est qu'on a un personnel qui est effectif pour à peu près 800 jeunes. Donc, il faut trouver des jeunes pour payer les formateurs qui travaillent correctement, bien comme il faut. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, a dit qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions pour permettre à notre jeunesse d'aller vers l'apprentissage. Et en allant vers l'apprentissage, c'est quoi? C'est d'accompagner les entreprises. L'État, aujourd'hui, qui a accompagné les entreprises, lorsqu'on prend un jeune de deux années, l'État qui a accompagné, qui a payé première année là-bas. Objectif en nous, avec les artisans en action, c'est pour permettre à la région d'accompagner les entreprises pour deuxième année là. Ça faisait Béric. Ça faisait Béric. Oui. Expliquer pourquoi. Lors, nous avons une période de crise. Donc aujourd'hui, en entreprise qui dit on ne peut pas prendre un apprenti, on ne peut pas prendre un jeune parce qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas travailler. Mais si on dit entreprise là, l'État a payé en l'année, la région qui peut être accompagnée de 40 à 50%, là, il réfléchit à des fois, il dit oui, il faut en sauver, il faut accompagner les jeunes. Pourquoi la région peut faire ça? Parce qu'aujourd'hui, en 2019, la région a collecté 289 millions d'euros d'octroi de mer et de TVA, etc. La TVA, c'est qui Monica Faye? C'est nous, les entreprises. Là, on cache ton pain, on perd un croissant, un chocolat, etc. Là, on achète produit matière première là, ou j'ai qu'à payer TVA là. Donc, nous avons collecté. Le but aujourd'hui, on va demander à la région de Banou 289 millions, on va demander à la région simplement de Banou 20 millions d'euros pour payer, accompagner les entreprises guadeloupéennes qui apprennent des jeunes. C'est-à-dire qu'une entreprise qui apprend des jeunes, quand là, nous avons l'État, j'ai qu'à prendre première année là, la région qui a accompagné à peu près à hauteur de 40 à 50%, c'est deuxième année là, et comme ça, l'entreprise qui prend les jeunes pour permettre de former correctement. Ensuite, il faut aujourd'hui nous intéresser, jeunesse à nous, à l'apprentissage. Ça, c'est important. Il faut nous arrêter de dire que l'apprentissage, c'est un métier de voie de garage. Ce n'est pas normal. Donc, j'en dis là, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Un plan de formation, des conventions avec les associations, la mission locale, le rectorat, donc l'éducation nationale, pour que dès l'âge de 13-14 ans, on voit tout de suite ceux qui sont capables d'aller plus loin et ceux qui sont capables d'aller plus près. C'est quand même pas normal qu'en Allemagne, on ait des millions d'apprentis et qu'en France, on n'ait que 750 000. Donc, il faut nous atteler nous sur le modèle allemand pour mettre l'apprentissage au cœur de notre métier. L'apprentissage, c'est le métier de l'avenir, c'est le métier de demain. Mais pour inciter un jeune à aller vers l'apprentissage, M. Damaso, qu'a pour faire? Je crois qu'on a mis des référents à payer nous. Hein? Ouais. Nous y a assez de référents. Mais il y a des amis à moi, Jordi Jou, qui est meilleur chocolatier en Angleterre, Joa Baudrigue. Ouais. D'accord?
qui n'a qu'à saluer aussi. C'est vrai, bientôt, justement. Ben, nous travaillons ensemble pendant 6 ans à Marger Conseil. À Marger Conseil, ben, nous travaillons. En vrai, là, il arrive en tant que commis pâtissier et il gravit les échelons. Et nous tenions chef, c'est Firmin Honoré Confiac, qui était un modèle pour nous, et que nous faisons chimer ensemble. Ben, ce sont tous ces hommes et des femmes de valeur qui, je dis, jouent fiers parce que nous travaillons ensemble et nous arrivons loin. Nous nions aussi Youyout Fabienne, des exemples, qui, ce sont des référents. Ben, il ne faut pas nous honte à dire, je dis, que ben oui, nous avons gagné 3, 4, 5, 6 000 euros pour permettre à ces jeunes d'aller vers le métier d'apprentissage. Il ne faut pas nous honte de dire, oui, nous avons travaillé 12, 13, 14 heures par jour, nous pas ni jour de repos, mais nous voulons quoi? Nous voulons l'excellence. Donc, nous faut nous mettre en place des référents qui réussissent en métier à yo pour que ces jeunes-là prennent comme modèle. Tous ces jeunes-là, aujourd'hui, je vais référer à des modèles de chanteurs, des modèles d'acteurs. Pourquoi nous pas faire des modèles d'un chef d'entreprise qui réussit en pays à nous? Il ne faut pas nous honte de dire ça. Il ne faut pas nous honte en Guadeloupe d'être fiers d'être Guadeloupéens et de dire qu'on a réussi parce qu'on a constaté que parfois, l'on réussit un pays sans défaut. Il ne faut pas perdre de dire ça. Non, il faut dire, aujourd'hui, oui. Nous sommes des Guadeloupéens, hein? Nous réussissons et nous voulons qu'un jeunesse en nous réussisse aussi. Et c'est ça, politique, les artisans, les artisans qui accompagnent moi, c'est ça que nous voulons mettre en place. Nous voulons mettre en place, avec des hommes et des femmes de valeur, nous voulons mettre en place l'apprentissage, c'est le métier de demain. Il faut nous construire pays Guadeloupe. En nous arrêter, voyez, jeunes en nous partir en France. Nous n'avons les moyens de former jeunesse en nous. Et si on veut continuer la formation, ben nous pouvons faire des formateurs, s'il le faut, venir des métropoles, plus performants, apporter un plus. Mais surtout, nous n'avons des formateurs aussi en Guadeloupe qui sont bons, qui sont forts. Mais simplement, bayons les moyens de travail correctement. Nous n'avons des formateurs à la Chambre des métiers qui sont exceptionnels. Mais il faut mettre en lumière pour pouvoir transmettre en métier et avoir une transmission de valeur. Ça, c'est important pour payer. OK. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas apporter de plus que ce que tu seras en poste, si tu es réélu? Qu'est-ce que tu vas apporter? Quel serait l'ingrédient de plus qui ferait en sorte que la machine puisse marcher correctement? Je ne dirais pas ce que je vais apporter, ce que nous allons apporter. Ouais, une équipe. Ouais, donc, l'équipe et toi. Ouais. Voilà. Nous allons apporter une autre vision de la Chambre des métiers. Nous allons apporter notre savoir-faire. Nous allons apporter notre force. Nous allons apporter notre passion. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. C'est que la Chambre des métiers, je veux vraiment qu'on voit la Chambre des métiers comme la voie de l'excellence. Il faut savoir que l'artisanat en métropole, c'est le premier pourvoyeur d'emploi en France. En Guadeloupe, nous troisième. Et notre but, c'est que nous finissions premier. C'est que pourquoi nous voulons finir premier? Parce qu'il faut nous retrouver place en nous. Et place en nous pour nous retrouver, mais il faut mener des actions. Et les actions qu'on va mener, c'est quoi? Être plus proche, proximité. Il faut nous plus proche des artisans. Et c'est pour ça qu'on va arriver premier pour là. Enfin, les agents de la Chambre des métiers sortis pour y être vrai la problématique que les artisans ont rencontrée. Donc, être plus proche des artisans. Faire aimer l'artisanat. Montrer notre savoir-faire. Créer des actions. Un exemple. Avant, il y avait le boulevard des artisans sur Bastère. Bastère à mort. Il faut créer ce pôle. Il faut amener la dynamique à Bastère. Nous créer, et alors, équipe précédente, la Fondation Mérite, créer, comment on appelle ça encore, il y joue à tradition, mais territoire, en fait, sur Petit Canal. C'est très bien. On a lancé ça. Ils ont lancé, on a poursuivi. Il faut créer, en fait, des actions pour qu'on voit les artisans. Parce que, par exemple, vous comptez, Eric, on peut expliquer, OK, nous avons une richesse à payer à nous. Ouais. Et richesse à payer à nous, c'est nous qui pouvons montrer. Pareil, on a eu la chance d'aller à la Foire de Paris et mettre en place des actions pour la Foire de Paris. On a souhaité, surtout, avant d'aller à la Foire de Paris, mais créer une foire de Guadeloupe. Mettre en valeur toute l'artisanat, nos jardiniers en jouent à tradition, mais créer vraiment la semaine de l'artisanat. Et lors de créer la semaine de l'artisanat, sélectionner les artisans pour pépatis en métropole pour que ça ne vienne toujours les mêmes capatis pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans.
Il faut que nous créions l'excellence et exportons-nous à l'extérieur. Mais avant de nous exporter à l'extérieur, on nous travaille d'abord en pays à nous et après ça, nous prospectons pour ailleurs. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous, quand nous portons de plus, nous portons en notre méthode de travail, en méthode de travail avec les artisans, avec les administrations, pour nous faire en seul gros et travail mieux. Par contre, former mieux nos jeunes, aller vers l'excellence, ne pas faire que le CAP, mettre en place le brevet technique maîtrise, le brevet de maîtrise, la mention complémentaire. Faire de l'excellence, et c'est ça nous voulons, terre d'excellence, mais faire un métier d'excellence, c'est l'artisanat. OK. Alors, on rappelle qu'il y a eu, des problèmes au sein de la Chambre, justement, dernièrement. Ce qui a fait qu'il y a un président provisoire, il s'appelle Braflon Dominique. C'est ça. Alors, quelle est la situation actuelle de la Chambre? Alors, je ne suis pas dans la Chambre, donc je ne peux pas répondre, mais sur l'actualité que je vois, effectivement, je vois qu'ils ont poursuivi nos actions, d'accord, c'est très bien, mais aujourd'hui, il y a un climat apaisé, c'est très bien. L'équipe qui est en place, qui a été choisie par la préfecture, ben je pense que ce sont des hommes et des femmes qui sont venus pour travailler. Donc aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas à l'intérieur ce qui se passe, mais je constate qu'ils sont au travail. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, je vois sur les médias audiovisuels qu'ils sont en train de travailler, c'est très bien. Et je pense que l'artisanat a besoin de ça, de sérénité, de paix, de confiance et pouvoir travailler sereinement. D'accord. Oui, vas-y. Alors, non, mais continue, parce que je te pose une autre question, mais si tu pouvais... Oui, j'aimerais dire aujourd'hui, c'est ce que nous voulons mettre en place. Un travail apaisé, écouté, parce que je tire quand même un coup de chapeau à l'administration, parce que subir 5 présidents en 5 années, c'est pas donné à tout le monde. Et je leur tire un gros coup de chapeau, parce qu'il y a quand même des hommes et des femmes à l'intérieur, plus de 80 personnes, qui sont excellents, ils excellent dans leurs fonctions. Donc, je leur tire quand même un grand coup de chapeau parce que ce n'est pas facile d'avoir 5 présidents en 5 années. Ah ouais. Moi, je leur dis un grand mérite parce qu'ils ont réussi à faire le dos rond, ils ont réussi à comprendre et ils se sont adaptés. En tout cas, bravo à eux. Mais tout ça encore, tout ça montre que l'administration guadeloupéenne, justement, est complètement gangrénée. Hein, de partout où il y a des problèmes de gestion dans le pays. Hein, et les organes administratifs sont gérés par nos propres compatriotes locaux. Hein, alors, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se remette en question par rapport à ça? Alors, Parce que tu regardes bien, Gabriel, ça te coupe. Dans toutes les collectivités, c'est même bien là. Que ce soit Cap Excellence, que ce soit CNBT, la région, le département, dans toutes les collectivités aujourd'hui, on constate que il y a moyen de faire confiance à nos élus en soi. C'est élu, hein? Alors, c'est vrai que l'institution Chambre des métiers, c'est un service public, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que, en fait, l'administration est aux ordres. Je parle des problèmes qu'il y a, hein? Des problèmes qu'on retrouve un peu partout, les mêmes problèmes. C'est vrai que, après, moi, sincèrement, au sein de l'administration même, je n'ai pas rencontré de problème, à part, je vais rester honnête avec toi, la période de grève où les syndicats ont fait un mouvement de grève pour demander des choses qui n'étaient pas possibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Chambre des métiers est régie par des statuts. Les statuts, d'accord, sont mis en place par toutes les chambres de France de métiers de Navarre. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a un statut et on doit fonctionner en respectant les statuts. Tu peux être n'importe quel président que tu veux, ou peut même venir dire qu'on s'abouge, on va avoir 50 euros d'augmentation en plus, on va avoir une fonction en plus, on va avoir ceci, on va avoir cela, on va prendre un bouge, on va mettre à côté. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un protocole. Tu as rencontré les mêmes problèmes que dans le MACT, qu'au MACT. Voilà, c'est encadré. Donc tu ne peux pas, tu ne peux pas fonctionner quand c'est en boutique, quand c'est en entreprise. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu viens à la tête d'une chambre de métier, tu as des statuts à respecter. C'est-à-dire, tu as un président et le président mène sa politique. D'accord? Ensuite, il y a un bureau.
il y a des décisions qui sont prises par le bureau, d'accord? Le bureau, on décide par exemple de créer, par exemple, sur Basse-Terre, le forum des métiers. Le bureau décide. Ensuite, la direction, la secrétaire générale avec l'administration met en place la politique du président. Un secrétaire général ne peut pas une décider jeudi jour, de dire bon, ben, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas faire ça. Non, elle doit avoir une neutralité et surtout, elle doit être à l'écoute du président. Par contre, la secrétaire générale, qui est office de juriste, peut conseiller le président à des choses à faire. Lui dit, voilà, tu peux à la limite, ok, voilà, on peut faire comme ça, mais c'est le président qui décide. Par contre, la secrétaire générale est là pour dire, attention, si vous allez dans cette voie-là, les statuts disent ça, 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 ça. Mais c'est le président et son bureau qui dirigent. Ensuite, la secrétaire générale, c'est lui le chef de tous les salariés d'une chambre de métier. Gabriel Faure ne peut pas venir demain matin, après avoir un agent qui a cisé, qui a passé des boussailles, mais cisé, qui a arrêté, il peut habiter, après avoir un moyen de dire, écoute, pourquoi on va faire là? Non. Je reste à ma place. Ok, je vois, ouais. Il y a une secrétaire générale, il y a un CPE, il y a un directeur de la formation, il y a des gens qui sont là pour ça. C'est leur rôle. Et c'est pour ça que souvent, et je dis ça souvent, quand on vient à la Chambre des métiers, il faut connaître les statuts. Il faut apprendre. Il y a au moins une quarantaine, une cinquantaine de pages à apprendre. L'institution publique, à part moi qui ai inventé, c'est l'État. Donc, c'est régi. Pareil pour les agents. Il y a aujourd'hui des coefficients qui, pour tel nombre d'années d'ancienneté de l'entreprise, voilà, c'est tel coefficient, tel ceci. Donc, il y a un DRH qui est là pour gérer ce truc-là. On ne peut pas venir, je dis, jeudi, jour, Eric, après avoir une augmentation à 800 euros. Ouais. D'accord? Je vois. Et c'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, on comprenne que cette chambre doit fonctionner correctement avec chaque monde qui a été en place à eux, chaque monde qui a été en casier à eux. Et le jour que chaque monde qui a été en casier à eux, la chambre-là qui fonctionnait. Il fonctionnait autant à Saint-Jean, hein. Il fonctionnait autant à Thompson, hein. Il fonctionnait autant à M. Lobo, hein. Même s'il tenait des remous, etc. Mais aujourd'hui, d'accord, le législateur a mis des choses en place. Il faut qu'aujourd'hui, on respecte ça. Et il faut qu'on travaille sereinement. Et c'est l'équipe qui m'accompagne d'hommes et de femmes de valeur, mais c'est ce que nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place une équipe dynamique. Et soit en moi, et quand on va dire au lit, Eric, empêtré depuis l'âge de 8 ans dans l'artisanat. On commençait qu'à faire tout le monde d'amour dès l'âge de 6 ans avec grand-mère en moi. Donc, on sent vrai artisan. En particulier, souhaiter que demain matin, pas mon vin dit moi que oui, en parachuté, parce qu'en fait, notre métier, l'artisanat, c'est toute ma vie. Et ouais, c'est pour ça que métier en moins, savoir-faire en moins, en sont formateurs, en sont passionnés, en sont artisans. Et c'est pour ça qu'on veut transmettre un savoir-faire à jeunes en moins. Et on peut être fier aujourd'hui là de dire que tous les pâtissiers, à la date d'aujourd'hui, ont déjà formé 80 jeunes Guadeloupéens depuis qu'ils ont ouvert, depuis 2010. On va parler à ta marche conseil. Hein. On va parler en temps à, depuis 2010, on ouvre le premier magasin. Moi, j'ai formé 80. Et on peut créer toutes les pâtisseries de Guadeloupe. On est tout apprenti en moi dans les meilleures pâtisseries de Guadeloupe. Qui suivi? Est-ce qu'on y a suivi après? Mais non, les entreprises. Mais on peut aller, on peut n'importe qui joue, on s'ouvre dans Guadeloupe. On peut garder. Toutes les grandes pâtisseries de Guadeloupe, on est ancien pâtisserie, ancien apprenti Gabriel. On t'y n'y en a l'Elysée quand on est là. On peut crier, il y a un pâtissier Guadeloupe, il y a l'Elysée. Ancien pâtissier. On y en a la Tour Eiffel, M. d'Orléans. On y en a qu'à Mulot, M. Virapin. On y en a qu'à gérer 13 entreprises en Martinique, Osier La Fontaine. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a rien à gagner. Sans vouloir, c'est transmettre en mission. On y a une mission sur la terre, c'est de transmettre. On n'a rien à cacher. On veut transmettre en savoir-faire. Et l'équipe là qui accompagne moi là, c'est même idée. Nous voulons porter de l'excellence à pays Guadeloupe, à pays en nous Guadeloupe. C'est ça que nous voulons faire. Et c'est pour ça qu'on a demandé les artisans soutien à yo pour dire faites le bon choix,
parce que demain matin, nous avons des actions à mener pour le pays en Guadeloupe. Nous avons des actions à mener pour notre jeune en nous. Et on ne veut pas que demain matin, ils viennent dire que l'apprentissage, c'est un métier de voie de garage, c'est parce qu'on ne parle pas de l'école. Ça finit ça. On ne veut pas tant de paroles à ça. On ne veut pas tant de mots à ça même. Ouais. Parce que quand on met au défi, un avocat, un médecin, un bureaucrate, peu importe, quelqu'un peut-être qui a oublié qui nous c'est cela. Non, il faut que le métier d'apprentissage, il respecte son pays à nous. Parce que nous avons des métiers de valeur. Nous avons des métiers au niveau de tambour. Nous avons beaucoup de barbins qui fait des tambours à gosier. Nous avons des bougons de la nous avons un commissaire Mathieu, Daniel, sont le seul luthier. Nous avons Madame Désirade, mon tonton de Désirade, qui lapidaire, qui a fait des catailler les pierres. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut absolument nous aller vers l'excellence. Et c'est ça, nous, qu'a souhaité avec l'équipe en nous pour mettre de l'excellence. D'accord. Mais pour aller plus loin, de toi à moi, y a-t-il pas un problème d'ego, un problème de zèle face au pouvoir de notre société? Et n'est-ce pas un problème sociologue? Oui, je pense que il faut appeler un chat un chat. C'est vrai qu'en pays, nous, en fait, tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être patron. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, mon gars. J'ai travaillé 12 ans. Vous ne devez pas apprendre. Nous voulons voilà. Les gros postes, mais sans compétences. J'ai travaillé 12 ans marché conseil. Ben, en 12 ans marché conseil, arrivé pâtissier confirmé, en vine chef de parti, en vine second, en géré, en vine... Là où monsieur Confiac Pati avait monsieur Yoté Boyon Métropolitain Pati, on prend les rênes, on commence à gérer 18, après ça, on commence à gérer 26, après ça, on finit à gérer 32 salariés. Ce qui veut dire, en tout cas, gérer pâtisserie, la boulangerie, la cuisine. Là. Mais apprendre. Après ça, on dit qu'on vine patron. Mettez-moi dans la peau de patron. Moi, apprendre. Manager. La gestion de l'homme, les ressources humaines, comment gérer une entreprise, faire du marketing. Moi, apprendre ça. C'est là passer brevet de maîtrise en moi. La brevet de maîtrise et brevet de maîtrise supérieure, c'est-à-dire que ça va apprendre vous gérer les entreprises. Ah ben, moi, apprendre à gérer une première entreprise. Moi, apprendre à gérer une deuxième. Moi, apprendre à gérer une troisième. Moi, apprendre à gérer une quatrième. Et avant de venir là, vous voyez, venir chercher moi, parce que Gabriel Foy n'a pas allé tout seul à la chambre des métiers. Vous venez chercher Gabriel Foy. En t'es tranquillement d'entreprise en moi, en t'es dans la minorité, ce sont des groupes d'élus qui sont venus me chercher. Mais moi, avant de devenir président, à apprendre les statuts, en venir, moi, apprendre, en venir président, à apprendre. Et le but aujourd'hui, que demain matin, là, on va nous arriver, peut-être certains pouvoirs, eh bien, c'était que former les élus en priorité. Il faut apprendre ce statut-là. Il faut apprendre ce que c'est. D'accord? Les commissions. Paritaire, appel d'offres, formation, économie, transmission. Il faut qu'elles aient apprendre demain matin. Il ne faut pas venir comme ça pour dire où sont les élus. Oui, non, nous sommes là pour apprendre. Pourquoi? Pour conscientiser le peuple en nous. Il faut apprendre pour apprendre les autres demain matin. Il faut vous apprendre pour expliquer les artisans demain matin. Et le problème à nous en pays, nous, c'est que nous tous devons être chefs. Après, on vient par exemple sur les organisations professionnelles. C'est ça aussi. Il faut que nous nions aussi à la tête des organisations professionnelles des présidents, nous tenons pourtant, des présidents qui en veulent, qui veulent défendre leur pays ou bien qui veulent défendre leur secteur d'activité. Pourquoi? Parce qu'en chambre des métiers sans organisation professionnelle organisée, on ne peut pas aller en chambre qui est faible. Et ça aussi, nous ouvrons peut-être demain matin une présidente en organisation professionnelle, tu dois te donner les moyens de te faire entendre. Et pour quelle raison? En tant qu'à faire partie, et en tant qu'à faire partie toujours de l'organisation professionnelle de la boulangerie, eh bien, nous montons au créneau pour l'octroi de mer sur la production locale. Nous arrivons à faire des experts de Bruxelles venir en Guadeloupe pour expliquer, pour dire nous, pour constater que le fonctionnement n'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas dire mon cas taxé moins des fois sur la production. Tu avais dit tout ça va produire en Guadeloupe ou cas taxé moins. Son façon pour dire moins, pas produire en Guadeloupe, faire importation, rentrer en pays là chaque fois. Là. Et donc, tous ces éléments-là, ça,
qui permettent nous aujourd'hui là de dire que faut nous lier des organisations fortes. Pays là peut construit comme ça en claquant les doigts. Et qu'on va dire Eric, effectivement, nous lier des égaux, un petit lier des égaux, un petit aussi, un peu être aussi Adam, pour en parler la sensibilité, en pas parfait. Ouais. Par contre, là ça sort pas dit là bien. On peut dire oui, demain matin, quand on remet en cause, parce que ça n'a pas fonctionné pour ça, ça n'a pas fonctionné pour ça. Mais avant, on remet en cause, on peut dire voilà, mes directions là pour nous prendre, nous pas faire comme ça, nous pas faire comme ça. Si bon, il bon. Si on dit mais pas bon, nous pas reculer et nous pas trouver des solutions ensemble. On parle plus fort qu'il peut mouner. En simplement, en carrément en moins. Vous, êtes journaliste, on ne peut pas faire ça. Par contre, métier, moi, c'est pâtissier boulanger. Si ça ne veut pas faire ça, oui. Voilà, si dès demain matin, quand vient chercher pour dire que nous allons faire une journée en boulangerie là ou en pâtisserie là, après apprendre vous qui j'ai pour faire un fraisier, un gâteau, un pain, c'est cela. Donc, chaque monde ouais. Voilà, yo, chaque monde fonctionne à yo. Parce que justement, regardez, justement, nous avons su que le président de la Chambre, justement, en France, avait été dépêché depuis la métropole jusqu'en Guadeloupe pour nous porter secours. Hein? Est-ce normal? Nous pas ni en Guadeloupe, pas ni pour mon en Guadeloupe qui capable de mettre l'ordre dans la problématique en nous. Alors, nous sommes obligés de chercher mon en France pour ça pas normal ça. Alors, effectivement, ça pas normal. Et ou quoi pose une belle question. Vous savez pourquoi Eric? À expliquer la justesse des choses. Lorsqu'on arrivait en novembre 2019, ancien président là déjà ça va apparemment quelqu'un révoqué. Signé un protocole, tu signes un mouvement de grève à la Chambre des métiers. Et tu signes un protocole d'accord, je crois, de, si ma mémoire va pas faire défaut, je crois de 28 points ou 48 points. Et donc, monsieur mettait tout et n'importe quoi à dedans. Il y a des choses qui étaient vraiment vraies, qu'on TP réglé en 2 secondes. Et il y a des choses qu'on pas TP réglé. Parce que ça n'a pas qu'à rentrer dans les statuts de chambre des métiers qu'on dit au début. Ouais. Et donc, l'arrivée, effectivement, c'est tout à fait normal qu'on rencontre ce syndicat-là au moins, allez, 5-6 fois. Ma paye, moi, si on a rencontré 5-6 fois, mais il y a un moment où on va dire ça. Parce qu'en panier, le pouvoir de dire, ou ça, en son chef d'entreprise, on a maîtrisé des sujets, le bon président, il y a des sujets qu'on a maîtrisé, et des sujets qu'on n'a pas maîtrisé, ou qu'on a mis au ou qu'on prend attache à soit secrétaire général, soit DRH, ou soit un juriste ou un avocat. Ouais. D'accord? Lorsque nous commençons à parler de protocole, d'accord? Il y a des points épineux qu'on ne peut pas répondre. Lorsque nous avons des positions nous, sur ces points à ça, le syndicat-là, pas d'accord. C'est tout à fait légitime. Il peut ne pas être d'accord. Et qu'a nous qu'on fait? Moi, ensemble, on a une tutelle qui est la CMA France. On a crié CMA France. On a dit, oh, il y a un problème. Il y a un problème épineux et grave parce que je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des points qui n'entrent pas dans les statuts de chambre de métier et que le syndicat demande des choses que nous, on ne peut pas donner. Qui fait que ils ont dépêché les deux meilleurs, le directeur général de CMA France, parce que ce qu'on comprend, le directeur général là, descendent et directrice adjointe descendent, c'est qui a fait les statuts de chambre de métier. Ils descendent, tous les deux descendent. Et là, les deux descendent, ils ont épluché tout le bitin là. Et ils ont vu qu'effectivement, il y a des points qui n'ont pas rentrer dans sa mission signée un protocole d'accord là. Qui fait que ils ont dit exactement ça nous déjà dit, d'accord? Exactement, et c'est Mouna reparti. Et c'est Mouna même trouvé surpris de voir que c'est Mouna qui a encore bouté sur des points qu'il peut passer. Parce qu'il dit nous très simplement, même si vous voulez les faire passer, le national va refuser. Pourquoi? Parce que nous nions sorte, nous nions sur les points d'indice du personnel, tout est régi par la métropole. Lorsqu'on voit que ça n'a pas fonctionné, on crie le plus gros spécialiste guadeloupéen des affaires. On a fait du juridique des statuts. Pierre-Yves Chicot. Vous voyez Pierre-Yves, on dit Pierre-Yves, on y a un problème. Est-ce que tu peux me répondre à ce protocole d'accord? Pierre-Yves Chicot fait moins même réponse qui s'est Bouga qui était en France là. Parce qu'on sort de là, nous avons dit, nous avons un vrai papa blanc là, nous sommes obligés de faire blanc vini.
Ah ben, après, ouais. Il voit rien. Et il fait moi-même réponse là. Et là, on voit ça, envoyer réponse à la préfecture. Et c'est à partir de ce moment-là que la préfecture, je crois, qui était déjà décidé de dissoudre, qu'elle a envie de trouver moi, parce que quand la chambre était bloquée, la préfecture dissout l'Assemblée générale et nous avons une commission. Et c'est commission-là qui prend la suite des événements. Et commission-là signe même protocole d'accord-là. Et je crois que sur un point seulement, je crois, commission-là varié, c'est sur l'embauche d'une personne pour un contrat vacataire d'une année. Voilà. C'est-à-dire que tout ça désordre pour rien. Mais comment ça, que vous avez dit des bougons dans la tête, vous guidé par les bougons extérieurs, vous avez cassé du foie, un jeu de mots, d'accord? Donc, qui fait que c'est pour atteindre le but à yo, mais il n'y a pas qu'à ses foi. Parce qu'on est un enfant de Dieu. On est un homme, c'est foi, et peu importe, c'est l'ange Gabriel. Donc, on vous avez foi, si vous voulez, foi qui est toujours présent, foi qui est toujours doux. Deux au moins, c'est fait. Quand on va dire, il faut un moment, nous conscients que nous n'avons pas capacité à trouver des solutions entre nous. Nous n'avons des capacités, et c'est pour ça qu'en particulier, à chaque fois, fait état de blanc, nègre, blanc, ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être. Il y a un problème en pays en nous trouvant solution. Les statuts disent ça, mais nous ne pas fonctionner comme ça. Et c'est pour ça que dans l'équipe en moins, il y a de tout. Parce que je veux aujourd'hui former des jeunes Guadeloupéens. Nous voulons former des jeunes Guadeloupéens afin d'avoir une Guadeloupe meilleure pour demain. Une question. Oui, monsieur. On sait que la Guadeloupe est le premier département pour créer des entreprises dans tout l'Hexagone. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'aussitôt des structures ferment dans le mois qui suivent? Est-ce qu'il y a un coaching sur un an, deux ans qui pourrait être envisagé pour accompagner les auto-entrepreneurs comme dans d'autres régions ou pays? Oh, on dit des belles questions, hein? Très bien. En tout cas, très bonne question. La Guadeloupe est l'un des départements où on crée le plus d'entreprises. Ça, c'est vrai. Ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, même pendant la pandémie, il y a eu plus de 1000 créations d'entreprises. Il y a eu à peu près 300 entreprises qui sont fermées. Donc, tu vois, la tendance est toujours positive. Ouais. Effectivement, pourquoi les entreprises ferment? Et c'est cela qu'on veut apporter. Un plus. On veut vraiment apporter un plus dans notre programme. Pourquoi? Parce que quand un chef d'entreprise ou un jeune vient à la chambre des métiers, il faut qu'on lui donne tous les éléments. Et ça passera par le numérique et la digitalisation aussi. Ce qui veut dire que parfois, l'entreprise, le jeune n'est pas forcément obligé de se déplacer pour ces éléments-là, mais pour venir s'inscrire, oui, on doit leur donner tous les éléments. Tu crées ton entreprise, ok. Est-ce que tu as mis en place un plan de formation? Non. Voilà. Quelle structure que tu veux mettre en place? Est-ce que tu as un accompagnement? Est-ce que tu as fait du marketing? On doit leur apporter tous ces éléments-là pour que l'entreprise perdure. Tu as raison. Pourquoi? Parce que le tissu économique de la Guadeloupe, au niveau, dans le monde artisanat, représente plus de 66% des artisans qui n'ont pas forcément des salariés, qui sont une structure unique. Et nous avons plus de 3200 entreprises qui ne sont pas assujetties aux taxes de frais de chambre de métier. Ça veut dire qu'on est des entreprises, on est plus de 3200 qui a fait 5000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Parce que ça se souvient de moi. Ouais. 5000 euros uniquement de chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire que par mois, il n'y a pas fait que 428 euros. Donc, il y a une restructuration à avoir et à faire pour ces entreprises. Il y a des entreprises qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont créé leur entreprise, parce qu'il faut nous créer une entreprise. Parce qu'il n'y a pas trouvé de travail, il faut nous créer. Ces gens-là, on doit les accompagner. Et c'est le rôle de la Chambre des métiers. Et c'est pour cette raison qu'on avait commencé à faire ce travail sur le terrain pour aller avec les maires. Hein. Lorsqu'on a fait travailler sur le terrain, en tout cas, les maires ont dit dans la commune à Zot, vini pour avoir l'État entreprise à Zot, dans la commune à Zot. Donc, ce qui veut dire qu'on doit accompagner ces entreprises pour être pérennes. Quand on est arrivé, les recensements se font des entreprises, je crois, tous les 3 ans, quand il y a des élections, en fait.
3-4 ans, il y avait à peu près 19 000 entreprises. D'accord? Dernier recensement là, aujourd'hui, 16 400 entreprises. Ce qui veut dire qu'il y a 3 000 qui parlent encore, entre les décès, entre les entreprises qui ont fermé, etc. À ce rythme-là, on diminue, on descend au fur et à mesure. Donc, les entreprises guadeloupéennes doivent se restructurer. Mais pour les restructurer, il faut une chambre forte, il faut une chambre qui accompagne, il faut une chambre qui écoute. Il faut que les organisations professionnelles aussi rentrent dans la danse pour accompagner ces entreprises-là. C'est ensemble nous qui arrivons plus loin. Tout seul, mais ensemble nous qui arrivons encore plus loin. Il y a un autre problème encore. Pour créer une entreprise, il y a une lourdeur administrative. C'est ce vrai. Qui décourage plus d'eux. C'est vrai. Alors, on te dit que les super diplômés repartent à l'étranger. Alors, ne penses-tu pas qu'on devrait repenser l'accompagnement en Guadeloupe? Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour cette raison qu'il faut numériser et il faut digitaliser. Numériser pour qu'en fait, on voit des artisans. Je sais que l'équipe en place a mis en place une plateforme, je crois que c'est Zobré, ça s'appelle, pour mettre en avant l'artisan. Donc, aujourd'hui, tout le BITEC a fonctionné avec réseau. Au bout d'un vrai, qui sort pas fait aujourd'hui là, ben, c'est réseau. Donc, il faut accompagner les artisans vers ce monde économique. Ensuite, effectivement, il faut restructurer l'administration. Mais pour restructurer l'administration, il faut leur donner des moyens. C'est-à-dire qu'on constate qu'effectivement, ce n'est pas normal qu'un artisan qui vienne faire la queue à la chambre des métiers pour récupérer les 5 avis. Donc, boum, digitalisation, nous avons fait ça. Donc, on mettait en place portail, tout bitin, boum, artisanat qui a rentré sur le lien chambre des métiers, ou qui a payé, cette plateforme-là, pour récupérer les pièces. Il faut aller vite. L'artisan n'a pas le temps aujourd'hui. Il faut aller très vite. Et là où la chambre doit s'améliorer, effectivement, c'est dans l'organisation, dans l'offre qu'on doit apporter à l'artisan. Il faut qu'on soit conscient que la chambre, les agents doivent être à l'écoute des artisans pour mieux les accompagner. Nous pouvons y arriver, nous devons y arriver. Effectivement, nous avons des jeunes surdiplômés, hein. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, ben, on doit les mettre en avant et les accompagner. La région doit les accompagner. Pourquoi? Parce que le plus souvent, il y a qu'à répartir. Et c'est pour ça que notre base, la formation et l'apprentissage, doit être notre dada pour empêcher notre jeunesse. On a l'université des métiers qui porte que le nom pour l'instant. Et là, aujourd'hui, nous devons trouver des solutions. J'ai entendu hier, avant-hier, je crois que ça, c'est un fait qu'on avait énuméré pendant ma mandature, ma courte mandature, de travailler entre DOM. On a un plateau à Basse-Terre de prothésistes dentaires qui nous a coûté des millions d'euros. Sous vrai plateau là, pas ni pompe plateau qu'on s'en envoie de l'eau. Et en pays du même en France, parce qu'en France, on y a quatre centres de formation qui ont fait ça en France. Et dont nous lions en Guadeloupe à fonctionner. Effectivement, l'arrivée avec l'équipement, ben, nous demander la Martinique, nous demander la Guadeloupe et par la Guadeloupe, la Guyane, de trouver des jeunes qui veulent être en formation de prothésiste dentaire. On constate que l'équipement en place là, lancer projet à ça, c'est très bien. Parce que nous avons un plateau qui est là, qui a dormi depuis, je crois, allez, au bas mot, depuis au moins 6, 7 ans, 8 ans, qui fait bien. C'est l'argent des contribuables guadeloupéens. Donc, il faut nous trouver un programme interdépartement. L'État, aujourd'hui, là, a dit nous, demain, les autres, il faut organiser ça. Donc, nous commençons à organiser nous pour trouver des solutions interdépartement ou interrégion pour nous payer travailler ensemble. Et si on ne pas fait. Pareil de la Caraïbe, nous ni Dominicains à côté, nous ni Haïtiens à côté, nous ni des Sept-Luciens. Mais pourquoi pas ne pas les former avec le savoir-faire en qu'ils soient français, mais guadeloupéens? Pourquoi ne pas le faire? Nous pouvons prendre des jeunes en formation. Nous, alors, la Guadeloupe inscrit dans la région, inscrit dans la CARICOM. Pour faire quoi? Bien, pour ça aussi, pour faire des échanges. Donc, nous pouvons former des Dominicains, des Haïtiens, des Caribéens à venir former à casa nous. Nous pouvons montrer le savoir-faire là pour éviter, pour que demain matin, ils retournent dans le pays à eux et apporter une plus-value. Ça peut permettre aussi empêcher, comme on dit, le flux migratoire. C'est, tu vois, c'est aussi permettre à ce peuple à ça de construire leur pays. Nous avons un modèle et nous devons le transférer, le transporter à l'étranger.
Ça, nous veut porter en force, mais pourquoi nous pas faire à côté? Et c'est ça aussi nous veut mettre. Nous prenons un accord avec le monsieur Mérillon. Un de mes élus a pris contact déjà avec monsieur Mérillon, que demain matin quand on arrive au pouvoir, ben on va mettre ça en place. Parce qu'il y a une volonté justement de travailler dans la Caraïbe. Mais pour travailler dans la Caraïbe, il faut montrer que ça on s'en fait qui bien pour le faire un pays ailleurs aussi. C'est des échanges. Ouais. Et pour revenir, et c'est là que je dis encore l'apprentissage et l'artisanat doit retrouver toutes ces lettres de noblesse. Est-ce qu'on va trouver normal? Ou j'ai peut-être allé à la Barbade, ou j'ai Dominique. Quand il est Dominique, quand il est la Barbade, en cas vrai, là, quand arrive la Barbade, emblème à pays, en cas vrai, tout artisanat, il va mettre en valeur. En cas vrai, toute culture, il va mettre en valeur. Là, quand arrive un pays, en Guadeloupe, à l'aéroport, on va bouter un de l'air. On n'a pas rien contre, attention. On n'a pas rien contre. Mais quand estime que l'homme en touriste qui vient d'un pays en Guadeloupe, il faut qu'il y ait un tambour. Il faut qu'il y ait un canot C3, par exemple. Il faut qu'il y ait un salako. Il faut qu'il y ait un passage, un chacha. Il faut qu'il y ait une culture, production en nous. On n'a pas rien contre. C'est bon, mais il n'y a pas rien contre. Mais dis-nous, China. Mais là, là où un touriste qui arrive à le port, il faut qu'il y ait un ça, nous, qu'a fait. Tradition en nous, culture en nous. Et c'est ça aussi nous qu'a souhaité mettre en place. Nous, ni la maison de l'artisanat, le pauvre, ben nous pouvons faire une rotation avec les artisans pour proposer ça nous qu'a fait, peut-être paillettes à coco, ou bien tout qui j'ai encore confectionné un tambour, qui j'ai encore fait. Nous, ni un paquet de bité à proposer à payer en nous. L'aéroport, c'est ça. C'est premier entrée à publicité à payer en nous, c'est ça. C'est l'aéroport et le port. Il faut nous approprier nous ça. Pour nous approprier nous, ben faut nous expliquer la CCI, il faut nous expliquer le monde économique. Ben les gars, le pays là, c'est nous qui a construit aussi. C'est nous ensemble. Ce n'est pas un côté, il y a un parti, l'autre côté. Non, c'est nous. Tout ensemble. Et c'est ça que nous voulons faire passer comme message à la région aussi. La construction de notre pays, ça passe par nous. Après, bon, petite anecdote, monsieur Davazo. Là, on va en faire première séance plénière en moins. En région. Arrivé devant pupitre là, ça vaut ni chaque bonne place à yo. Ouais. On va trouver une bouteille d'eau, effectivement, t'as une bouteille d'eau devant moi. T'as un petit paquet biscuit sur le dada, en créma et en bonbon à la mode. Moi, j'ai appelé le président là. On dit président, en tant que président de chambre de métier. Au peut chercher, il y a un cherché à la canal 10. Ça va faire pisser la canal 10. Dans les annales, on peut trouver. On a interpellé le président, dit président, ça quand même pas normal que nous en Guadeloupe, en tant que président de chambre de métier, nous ni des confiseurs en pays à nous. Nous ni des gens qui ont fait des maniocs. Nous ni des gens qui ont fait des petits sablés, coco, curcuma, local de chez local. On nous valorise ça. C'est-à-dire que l'homme on est élu à venir, il faut qu'il goûte des produits à pays à y. Nous ni anti-madame, à part faire publicité de bail, anti-madame, c'est toi qui a fait plein de confiseries. Mais vous pouvez faire publicité de bail. En avril. Avril, on y madame à sa petite à cette rose, il a fait, il a bon confiserie, papa, il a bon coco, il a bon gingembre, il a bon tout genre. Nous pouvons accompagner ces mounas. Et c'est là, c'est le rôle de la région de demander madame là, de mettre à nos achats des petits produits individuels et vendre produits. Ça veut faire publicité à la région qui a fait publicité pour la production locale. C'est ça, région, département, les communes aussi. Il faut nous arriver à conscientiser, nous, à comprendre que si nous ne faisons pas ça, le pays ne peut pas avancer et nous peut toujours attendre à faire, à vivre de l'extérieur. On ne peut pas dire nous ne voulons pas vivre de l'extérieur, attention, mais qu'aujourd'hui, il faut le pays nous avancer avec propre production, nous, et ça, c'est important. OK. À quoi faire passer le pub là, nous allons venir tout de suite, 2 minutes. OK, pas de souci, à tout de suite. JCR Inamo Traiteur, le spécialiste du Boucanet, ouvre son nouvel espace à Fort-de-France derrière Périnon. Au petit déjeuner, votre pain au beurre et chocolat. Le midi, le spécialiste du Boucanet. Et 2 fois par mois, la soupe Boucanet. Livraison à domicile. Venez vous régaler. JCR Inamo Traiteur, le spécialiste du Boucanet, 137 rue Bureau de Jones à Fort-de-France. Téléphone 06 96 503 401. 503 401. We'll be right back.
Nous avons répondu à Bouya dans un petit moment. Il m'a épicé, il a éboyé des altéries. Nous avons attendu de retourner. Ah, bébé. Un petit peu de l'eau. Ok. Donc, alors, justement, il y avait une question là. Alors. Est-ce que la Chambre des métiers fait des études sur les besoins réels du marché du travail en Guadeloupe? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de formations proposées, mais pas de travail à la clé. Ce qui fait que les jeunes Guadeloupéens sont obligés de fuir l'île pour se former ou travailler. Comment pallier à cela? Alors, c'est très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il faut savoir que il y a la Chambre des métiers, il y a les organisations professionnelles. Et ce sont les organisations professionnelles, en fait, qui doivent faire la demande à la Chambre des métiers pour les formations appropriées. Je prends un exemple. Je prends notre secteur d'activité. Nous sommes à peu près à 218 pâtisseries boulangeries en Guadeloupe. Nous faisons la demande à la Chambre des métiers qu'il faut augmenter la formation en boulangerie. Il nous faut, par exemple, 80 boulangers ou 80 pâtissiers. Nous faisons la demande à la Chambre des métiers et la Chambre des métiers met en place tout de suite la formation. Donc, la communication pour cette formation, les fleuristes aujourd'hui, c'est la même chose. Ce qui veut dire que quand les organisations professionnelles ne sont pas organisées, la Chambre se substitue à eux et fait la demande et lance la communication pour que demain matin, nous ayons plus de formation en alternance pour que demain matin, nous ayons plus de jeunes sur le marché. Il faut savoir aujourd'hui, et quand je suis arrivé, j'ai vu cela, on a un CHU en construction, on n'a pas de plaquiste, on n'a pas de plombier, on n'a pas de carreleur en formation, on n'a pas de, quoi d'autre encore, d'électricien, autant, assez d'électriciens, et il nous manque aussi même des ferronniers. Ça, c'est le rôle de l'organisation professionnelle de tout de suite faire la demande et qu'on lance tout de suite la formation. Si on avait fait ça il y a 3, 4, 5 ans, je te jure que dans le CHU qui est en train de se construire, il y aura une pléthore de jeunes Guadeloupéens là-dessus. Donc, il faut qu'aujourd'hui qu'on rattrape le temps perdu parce qu'il y a beaucoup de projets à venir, construction des prisons, construction d'autres institutions. Il faut aujourd'hui que nous prenions notre bâton de pèlerin et dire qu'aujourd'hui, et comme je l'ai toujours dit au début, expliquer à notre jeunesse les besoins et les orienter vers des formations qui peuvent demain matin leur apporter. Certes, l'apprentissage, il faut aller vers l'apprentissage et après ça, l'apprentissage, tu deviendras un métier, ce sera un métier après, donc tu deviendras artisan. Mais comme je l'ai dit encore une fois, c'est vrai, nous avons ce manque-là et souvent, on met en place des formations qui ne sont pas forcément demandées et ceux qui sont demandés, on ne les met pas en formation parce que nous n'avons pas fait ce travail en amont. Et il faut le faire, ce travail en amont. Et qui est mieux que de le faire, c'est les organisations professionnelles, c'est eux qui sont sur le terrain, ce sont eux les artisans qui voient le besoin et qui doivent le véhiculer et le dire à la Chambre des métiers pour que la Chambre des métiers le mette en place. C'est important. D'accord. Est-ce que vous consultez la population sur les métiers à développer? Parce qu'il serait intéressant de faire contribuer la population. Je prends un exemple, via un espace sur votre site ou sur les réseaux sociaux pour construire la Guadeloupe de demain. Ce serait bien que la population y participe. Alors, le but aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les artisans qui ont plus le besoin. Mais à travers les artisans, c'est la population. C'est une très bonne question parce que je pense qu'aujourd'hui, si la population était en phase, je ne sais pas, c'est pas la question, si la population même était peut-être aussi consultée plus souvent, ben, je pense qu'ils auraient orienté leurs enfants vers cette voie-là. Et je crois que c'est une très bonne question et je le prends note aussi pour que demain matin, nous en parlions en libre antenne pour demander à la population de diriger leurs enfants vers l'apprentissage pour que demain matin, ils fassent un métier et qu'ils soient un artisan. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, l'âge moyen de nos artisans, c'est 50 ans. La boucherie, par exemple.
J'ai pas entendu. La boucherie, par exemple. La boucherie, par exemple, effectivement. Ou les métiers de bouche. Effectivement, ça a été créé. Il y a un secteur de boucherie à la chambre des métiers, mais il faut l'amplifier, il faut l'augmenter, il faut augmenter le niveau, il faut aller plus loin vers l'excellence. Et en allant vers l'excellence, ben, il faut qu'on ait des formateurs qui, justement, nous amènent vers cette excellence-là. Nous en avons un peu. Il nous faut d'autres encore pour, justement, continuer cette formation. Et c'est surtout la transmission. Un jeune qui vient en apprentissage, le formateur le forme, lui transmet un message, lui transmet un savoir-faire, et ce jeune-là continue sa formation en entreprise sur le terrain, et demain matin, ce même jeune devient chef d'entreprise. Je le redis, nous devons construire la Guadeloupe de demain. Et en construisant la Guadeloupe de demain, ça ne passe que par la voie de l'apprentissage et de la transmission. D'accord, parce qu'on me dit en même temps, on me dit par exemple, les bouchers par exemple, ce sont que des anciens qui forment depuis des années. Alors, c'est vrai. Alors, quand je suis arrivé, effectivement, moi je suis pour l'excellence. Je dis tout formateur aujourd'hui doit avoir un niveau, une compétence. Si les formateurs ne sont pas formés, il faut les former. Il faut leur donner les moyens de se former, de se remettre à niveau pour permettre à nos jeunes d'avoir de l'excellence. Il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, je me forme toujours. Chaque année, je monte à Paris parce que chaque année, il y a des nouveautés, il y a des choses qui sortent pour se former. Donc, il ne faut pas avoir peur de se former. Aujourd'hui, les bouchers se forment. Ils vont en formation en métropole. Les boulangers, les pâtissiers se forment. Ils vont en formation. C'est via leur organisation professionnelle, ils vont se former chez les meilleurs en métropole. Et la formation professionnelle, et c'est pour ça que c'est important, la Chambre des métiers a mis en place la formation professionnelle. C'est pour permettre à ces professionnels d'acquérir de l'expérience, d'acquérir d'autres niveaux, d'acquérir d'autres formations. On le fait, mais on doit le faire dans d'autres domaines, dans l'électricité, dans la plomberie, dans la mécanique, dans le BTP, dans les services. Donc aujourd'hui, la formation professionnelle doit augmenter, doit vraiment évoluer, et c'est ce que nous allons mettre en place. Nous ne pourrons rien faire si nous ne sommes pas unis et ensemble. Parce qu'on me dit en plus de ça, bon, parce qu'il y a des questions en même temps pendant le truc. Oui, il existe des jeunes formés qui souhaitent faire profiter de leur expérience, mais ils ne sont pas entendus. Par exemple, dans la boucherie. Alors, c'est une très bonne chose parce que je sais qu'il y a dans la boucherie pas mal de jeunes qui sont arrivés. Lors de notre élection, une fois que nous serons élus, ben je prendrai contact avec les organisations professionnelles, toutes les organisations professionnelles, pour faire un grand assemblé pour nous payer demain matin, trouver des solutions ensemble. Il y a une chose qui est importante que nous n'avons pas encore dit, c'est la transmission. Le but de notre mission aujourd'hui des artisans d'action, c'est de transmettre. Nous avons des bouchers, nous avons des boulangers, des pâtissiers, et dans d'autres secteurs d'activité, la carrosserie, ils arrivent presque à la retraite. Ces entreprises meurent, ferment, parce qu'il n'y a pas de relève. Mais nous allons, quand nous allons être au pouvoir, nous allons mettre ça en place. Transmettre, c'est-à-dire que trouver des jeunes qui n'ont pas encore les moyens de créer leur entreprise, de les accompagner à reprendre l'entreprise de telle ou telle personne. C'est faisable, ça existe en métropole déjà. Nous n'avons rien inventé, ça existe en métropole. Mais nous devons l'appliquer en Guadeloupe. Pourquoi ? Pour permettre au chef d'entreprise qui a 65 ans de partir avec un petit pactole. Il mettra en avant son entreprise, il va le quantifier pour le coût. Ensuite, cette entreprise sera rachetée par le jeune avec un accompagnement de la région et des banques qui vont jouer le jeu. Et ça, aujourd'hui, un jeune qui arrive sur le marché d'emploi a besoin de créer son entreprise. Il n'a pas forcément les moyens, il n'a pas d'accompagnement parce qu'il n'a pas encore vécu, il n'a pas encore d'expérience. Par contre, le jeune qui a suivi une formation, qui a son CAP, qui a suivi une formation de management, de gestion, peut reprendre ou acheter une entreprise qui existe déjà pour que le gars part à la retraite. Et il peut y avoir un accompagnement. Ça existe en métropole. Je sais que je l'ai vu. Il faut nous faire ça. Comme ça, ça va permettre à l'entreprise de continuer à vivre et le jeune aussi de pouvoir entrer
dans la vie active de la société d'aujourd'hui. Mais justement, il y a Angela qui parle là. Elle dit, je pense qu'en dehors des rudiments de formation... Attends, je vais publier son truc. Tu vois la question? Oui. Voilà. Je pense qu'en dehors des rudiments de formation qui sont intéressants, il faut que les entreprises, comme le vôtre, M. Fah, puissent donner des jobs d'été. Alors... Et elle a poursuivi par ça. Cela permet les jeunes de palper le métier et de commencer à se responsabiliser. Très bien, parce que je le fais déjà dans mon entreprise. Nous donnons des jobs d'été en juillet-août. Il y a un accompagnement de la région en ce sens pour les jobs d'été. Nous le faisons chaque été. Et si tout le monde le faisait, je pense que, comme l'a dit Pamela, ça donnerait aux jeunes aussi l'envie d'aller vers les entreprises. Mais il faut savoir aussi que ça existe aussi dans l'éducation nationale. Il y a des jeunes qui viennent en immersion dans les entreprises. Les jeunes de 3e et les jeunes de 5e, je crois. Ils viennent en immersion pour voir, pour palper. Ils viennent pendant une semaine, du lundi au vendredi, découvrir, ça s'appelle la découverte de l'entreprise. Et je demande aux entreprises aujourd'hui de jouer le jeu, parce que la victoire va passer par là aussi, pour intégrer, insérer notre jeunesse à nos métiers d'artisan, à nos métiers d'artisanat. Mais nous devons le faire, nous devons leur ouvrir nos portes. Je le fais chaque année, je reçois au moins une vingtaine de jeunes chaque année en immersion d'une semaine. Et je demande à toutes les entreprises de Guadeloupe, aux artisans de Guadeloupe de faire ce geste, parce que demain, c'est des futurs chefs d'entreprise que nous mettons en avant. C'est des jeunes que nous mettons en apprentissage et donner goût à l'apprentissage. Ça, c'est un souhait que je réitère aujourd'hui à travers la pause sans fil. Okay. C'est de faire passer le message, de prendre les jeunes en immersion, parce que souvent les jeunes me disent que les entreprises ne jouent pas le jeu. C'est vrai. Je reconnais que c'est vrai. Et je fais un appel aux artisans. Si nous voulons construire Guadeloupe de demain, à nous prendre jeunesse à nous-mêmes. À nous pas laisser le bon chemin. Parce que c'est même jeunesse qui a pété voiture à nous. C'est même jeunesse qui a drogué. C'est même jeunesse qui a volé. Mais c'est jeunesse à ça qu'elle nous pas accompagné. C'est jeunesse à ça qu'elle nous pas aidé. Et si vous voyez tout le monde qui apprend, si comme moi qui apprend, en ça, ce n'est pas évident. En ça, ça va. Mais nous avons une mission. On est 4 à 15 ans. On n'a pas demandé de temps, s'il vous plaît, de prendre 4. Hein. Nous avons 16 000 artisans en Guadeloupe. Ce n'est quand même pas normal qu'elles n'ont pas réussi à remplir un CFA à 1000 jeunes. On a demandé tout simplement qu'elles ont pris un antigène, surtout pour l'État qui a accompagné nous. Prenons seulement. Nous combler le CFA, nous remplir le CFA et tout le monde est content. OK. Alors, quelques questions. Simple réponse simple. Quelles sont vos passions en dehors de votre travail? Vous savez, la pâtisserie, enfin, on ne peut pas mettre, on peut pas dire, mettez pas la pâtisserie Gabriel en avant. La passion, moi, c'est pâtisserie. Mais avant tout, on sent un homme de cœur. Pourquoi? Moi, dans tout le bitin. Moi, dans la maladie, la drépanocytose. Ce n'est pas passion, mais accompagné. Passion, au moins, c'est la voile traditionnelle. Pourquoi? Parce que, en son sein, trois, certes, mais c'est surtout en toujours naviguer en long canot, à pêcher, traverser les îles, terre de haut à terre de bas, traverser les îles, terre de bas à terre de haut, Guadeloupe, trois rivières, Basse-Terre, donc en toujours voyager en bateau. Passion, au moins, c'est la voile traditionnelle. Donc, moi, dans la voile traditionnelle, moi, dans le football. Donc, on peut accompagner des équipes de football. On peut accompagner. Qui est le club de Resta? Hein? Qui est le club de Resta? Non. Le club des Saintes. En tout cas, on s'en sert pour accompagner. Oui, merci, oui, c'est normal. Mais il faut savoir que moi, aider aussi des clubs de football au niveau de la publicité, dans la voile traditionnelle, dans la maladie, dans les actions caritatives, dans le vélo. Le vélo club Grand Casse de Saint-Martin. Donc, ce qui veut dire que moi, le travail m'a permis d'être dans le monde culturel et le monde associatif. Le carnaval, Gembo All-Star, on fait Gembo All-Star, on fait Excellence, on fait Kinoa Group, on groupe des Abîmes, on fait Guadom. Bon, là, on a là bientôt peut-être contrat là qui est signé avec Double Face, hein, pas ça. Mais ouais. Vous achetez, moi, c'est une blague. Mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui... Ou tu es un peu partout. Un peu partout, parce que
sans qu'à gagner, sans les Antillais, le peuple guadeloupéen, à moins, à qu'à retransmettre ailleurs, dans les associations, parce qu'on peut dire qu'il y a une association qui a misé en Guadeloupe. À qu'à prendre un exemple, ça a fait 8 ans, à qu'à toute production au moins qui restait, l'avant-veille, par exemple, les pains qui n'ont pas vendu la veille, à qu'à revenir à moitié prix le lendemain, mais le surlendemain, à qu'à congeler les pains et à qu'à bailler les apports de l'infini. C'est une association qui a aidé les personnes défavorisées. Donc, toute production au moins qui a resté, à qu'à bailler le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un seul homme de cœur, donc envie partagée, savoir-faire en moins et richesse en moins pour payer en moins. Donc, on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça. Donc, passion en moins, c'est ça, c'est de transmettre. Mais à côté, il y a pas de football pour tout le monde, il n'y a pas d'agir. Mais on vit normal, quoi. Voilà. OK. Qui plat préféré, alors? Faux. Un bon plat, la matière qu'a fait en moins, c'est un bon type de bouillon poisson. Et surtout okay. Poisson des Saintes, parce que poisson, nous, c'est le meilleur poisson. OK. Ça, c'est le côté chauvin. Ouais. Qui lieu qui a apaisé au plus en Guadeloupe? En Guadeloupe, bah, Radisson Archipel, c'est les Saintes. Là, ben oui. Là, on va arriver terre de bas ou terre de haut. On va déposer le téléphone là et on va vivre. Ouais, c'est pour ça qu'on a dit que pays, nous sommes un bel pays parce que nous avons une richesse. On est Marie Galante, on est Désirade, on est la Guadeloupe entière. Pays en nous belle. Pourquoi on va dire ça? Parce qu'on a eu la chance de voyager, de faire le tour du monde en travaillant avec un groupe Kaiser et en voyageant l'eau. On a eu la chance d'aller à Dubaï. C'est l'excellence, c'est belle ça. On va vivre bien, on va vivre bien. Mais là, on vit un pays en Guadeloupe, c'est plus bel pays pour moi au monde. Et la Guadeloupe, c'est pour ça qu'on a dit, il faut nous protéger parce que c'est un bel pays. Okay. Donc, pour moi, c'est le simple. Personnellement, à qu'à sentir bien parce que à qu'à reposer moi, à qu'à apaiser et à qu'à restructurer moi. OK. Pourquoi on répond Karim Gati Belzan à l'Elysée? Alors, ou ça, en son homme de parole, il était qu'à faire partie à dans l'équipe à ancienne mandature là et il permettait moi d'être président. Ou ça, à dans le groupe en moins, on est des hommes et des femmes, chaque monde n'est personnalité à eux. Chaque monde a qualité à eux. Et moi, je vais retenir que qualité à travers le métier. Ce qui veut dire qu'en sachant formatrice, en sachant maquilleuse, il n'est pas connu uniquement en Guadeloupe, il est connu uniquement dans la Caraïbe. Et c'est ça qu'on retient et c'est ça qu'on veut mettre en avant. La force de tout un chacun, c'est ça. Quand il y a un problème à droite, à gauche, on ne peut pas rentrer dans le débat à ça. Par contre, on retient uniquement côté professionnalisation, et c'est ça qu'on veut véhiculer demain matin pour l'apprentissage. Vous savez, Jodla, à part de ça, à part qu'à pointer du doigt, lui, hein, attention, hein. Mais Jodla, il faut regarder tout partout. Il ne faut pas regarder rien qui ça et ça fait, parce que tout le monde est casserole. Hein. Et casserole en le monde, puis éclabousser. Vous savez, Biden. Président, à part parler de lui, personnellement. Tout à fait. Vous savez, Biden, là, on va prendre des points sur la liste. Vous savez, Météo, qu'on va réduire à travers. Par rapport à côté professionnel à yo. Effectivement, on sait tout pour nos défauts, tout pour nos qualités. On veut retenir que les qualités, et c'est surtout qualité là, on veut qu'on mette en avant à travers métier et transmission qu'on fait là. Nul n'est parfait. Tout le monde a fait des erreurs. Par contre, mon rôle en moi en tant que président, c'est de fédérer en positive attitude. Rôle en moi de fédérer, c'est de mettre chaque monde en place à yo. Et dire, voilà, vous allez faire ça, ça, ça. Effectivement, on ne peut pas connaître tout le monde. Hein, mais il faut faire avec tout le monde. Mais pour que tout le monde aille de le côté positif. Et le groupe-là qui est autour de moi, que ce soit Gati Belza, que ce soit Vira Samy, que ce soit Mike, que ce soit les autres. Et Pamela Pommier aussi. Ou Pamela Pommier qui est en Zoutifilé, qui est en Potomita. Oui, dans là, par contre, c'est... Oui. Voilà, mais... dans le BTP. Ah ben, ouais. Vous savez, à part de connaître Pamela... premier artiste, hein. À pas parfois pour ça. C'est pour ça qu'on a en mettant des mondes si lisses en moins, il y a des mondes qu'on connaît depuis des années, il y a d'autres qu'on ne connaît pas, mais qu'on apprend à connaître. Mais l'envie de découvrir Pamela, c'est l'une des seules femmes qui est dans le BTP. Donc aujourd'hui,
En fait, découvert par Pamela Pomier son poteau mi-temps. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Et pourtant, en partie, ça a une carrière artistique, en pas connaître. Ouais, c'est une chanteuse. Gros chanteuse à l'époque. C'est un gros star au Guadeloupe à l'époque. Voilà. Et donc, salaire. En vue de découvrir, il y a à peu près 2 mois et demi. Et puis, Bella, après avoir une anecdote, après avoir découvert que Pamela, c'est cousine en plus. Ah, ok. Voilà, mon petit. Tu vois, le monde petit, du côté à Papaye. Parce que famille, en moins, c'est bride aussi. Et que famille, aussi, c'est bride. Donc, c'est des générations de Saint-Trois qui partent en Guadeloupe. Donc, quelque part, on peut voir, après, on a découvert le monde. Mais moi, ce qui intéresse moi, c'est le côté positive attitude que ce monde a porté à la chambre pour que nous fassions travail ensemble. C'est ce qui est plus important pour nous. Ouais. Ben, pour finir, vous savez, c'est passionnant, nous n'avons pas fini déjà. Nous l'avons depuis. Nous faisons quoi, 5 ou 2 heures de émission. Bon. Écoute, vous savez, la poste sans fil, là, elle est. Mm-hmm. J'attends de parler de la poste sans fil, dans long, large, en travers. La poste sans fil, c'est le média du peuple. C'est vrai. C'est l'œil du peuple. Ça veut dire que, allez là, nous ne pas laisser rien passer. Et en radio, ça, droit dans les yeux, si vous êtes le président, pour moi, vous êtes le président. Parce que, par rapport aux autres candidats qui sont là, ces messieurs, bon, voilà. Mais pour moi, vous êtes le président. Mais il faut savoir que nous que suivre vous. Nous que suivre apprentissage, genre, enfin, pas apprentissage, genre, mais mandature. Tout à fait. Et que, bon, ben, vous êtes honnête. Nous va mettre casque là, tout le monde dit, ouais. Non, mais. Alors. En pas de problème avec ça, M. Voilà. Damaso. Tout voilà. Ça, quand on dit parcours en moins qu'à parler d'elle-même. Si elle va venir à la Chambre des métiers, sincèrement, et quand on va dire devant toute la Guadeloupe et la France, si c'est pour venir président à la Chambre des métiers, c'est pas là où on va gagner l'argent. C'est l'entreprise en moins qui va gagner l'argent. Voilà. D'accord? Le salaire d'un président, en part, on t'a dit 1880 et des poussières, président de chambre de métier. Les élus qui sont autour, ils n'ont pas, à part la trésorier ou la trésorière, ils ont un salaire de, je crois que la moitié du président. Et les autres, ce sont des frais de mission, c'est-à-dire que souvent, ils ont en mission pour la chambre de métier, ils ont des indemnités. Donc, à part là, on va venir gagner l'argent. À part qu'on la région, le département, ça n'a rien à voir. Ok. Non, je ne te parle pas de détournement. Non, expliquez-vous. C'est-à-dire que, pour expliquer en détail par rapport à les casseroles, si ni casseroles. Ouais. Pas ni casseroles parce qu'en son nom droit et carré. Par contre. On va faire vaisselle là ou? Tous les jours, on va faire vaisselle là. C'est moi-même qui fais ça parce que c'est moi qui fais vaisselle dans ma casserole. Donc, par contre, sans plaisir, M. Damaso, demain matin, vu au pouvoir, nous qui est dit demain matin, en cas pour l'engagement devant vous, de faire en rencontre, s'il faut, une fois par trimestre, ça va, pour nous faire l'actualité, pour nous faire compte rendu des actions nous ramener. Pour ça, on n'a pas de problème avec ça. Oui. Une fois par trimestre, nous pouvons faire tous les mois parce que ça n'est pas évident. S'il faut faire dans l'année, il n'y a 4 trimestres, nous allons faire. D'accord? Tous les 3 mois, nous allons faire un point. C'est ça pour que la diaspora ou même la personne lambda voit l'actualité de la Chambre des métiers. Donc, en pas de problème avec ça pour demain matin caché. On veut travailler encore pour le pays en moins. On veut travailler pour la Guadeloupe, pour nous aller plus loin. Et c'est vrai que M. Damaso, en tout cas, surtout à faire passer un message pour dire que on sait que ces jours à ça sur les réseaux sociaux, il y a qu'à vilipender Gabriel, il y a qu'à salir Gabriel, il y a qu'à faire discrimination que Gabriel, qu'à faire discrimination Simone à droite, c'est à gauche. Simone, Gabriel, vous? Oui, moi. Mais ce n'est que détail. Faire un mois, deux mois, c'est faire un matin. C'est normal, nous avons l'élection. Ok, pour vous, nous avons l'élection, on prétend que demain matin, en son Judas, en son ceci, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, seule mission en moins, c'est d'accompagner la Chambre des métiers à être respectée. C'est de former des Guadeloupéens, c'est d'accompagner les artisans aujourd'hui à des jours meilleurs. C'est de faire en sorte que les agents de la Chambre des métiers retrouve la sérénité et travaille en toute symbiose, en tout professionnalisme. Parce que nous avons des agents valeureux, nous avons des formateurs valeureux. Donc, on veut que demain matin, que les agents de la Chambre des métiers doivent être fiers de leur Chambre des métiers. C'est ça, on veut.
En fait, que demain matin, on a un agent à la chambre de métier dit je travaille à la chambre de métier, mais qu'à garder tête à monde, doit et non pas tête à imbécile. Voilà. C'est ça, on voulait aujourd'hui, demain matin. Et c'est ça, nous voulons, et qui plaît qu'accompagner moi. Que demain matin, ils respectent les artisans et le monde artisanat, et que nous venions le premier pourvoyeur d'emploi. Okay. Monsieur Damazo, avant de finir, oui. Tout d'abord, en tout cas, vraiment, tiens à remercier tout colissier, parce que sans yo, on n'a pas rien, en fait. Ah ben oui. Ouais. Sans l'équipe, vous savez, Paris Saint-Germain, c'est pas seul joueur. Sans l'équipe. Où sont Parisiens? Non, sans ah. Monégas. Ah! Vous gagnez des zéros, vous allez là. Vous gagnez des zéros. Donc, sans Monégas, ma race est portée Paris en Europe. Eh ben, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que, en tant qu'à venir comme le Messi, comme le joueur de Paris Saint-Germain. Oui. Mais, en tant qu'à venir comme un missionnaire, en tant qu'à venir comme un passionné, en tant qu'à venir comme un formateur, en cas vini comme un artisan et nous voulons changer l'artisanat guadeloupéen, nous voulons vraiment faire les choses évoluer. Donc, en cas remercier tout le monde, en cas remercier M. Kenny, en un jeune à 30 ans, grand chef d'entreprise, c'est qui a fait la restauration rapide en Guadeloupe, anti jeune de 30 ans, vous pouvez suivre sur les réseaux aussi, ouais. En nous, 30 ans, et grand chef d'entreprise, j'ai 3, 4, 5, 6 entreprises même. Donc, nous sommes des jeunes de valeur. Encore merci, M. Mathirin. Encore merci, M. Dominique Virasami. Encore merci, Manuel Awa, Maggie Calab, Claudie Carabin, Mike Guillaume, Mme Priscilla Minacci, Claire Le Guillochet. On y a un avocat, si vous savez. Une première, il y a avocate et en même temps, il y a photographe. Encore merci, M. Karima. Encore merci, M. Jimmy Joseph, frère Dr. Henri Joseph. Encore merci, M. Joyeux, un petit Saint-Croix de Terre de Haut, M. Joyeux Lambert. Encore merci, M. Monduc, Mme Elfenor. Encore merci, M. Mike Guillaume. Encore merci, M. Mathieu Daniel, M. Toby de Petit Canal. C'est-à-dire qu'on prend mon tout partout, M. Eliezer, mon tonton, surtout de Désirade. Donc, ce qui veut dire que nous voyons tout le terrain, mon Shilling Ford. Encore merci, tous ces mounas, M. Zozo, l'incontournable Zozo de Voyage. Donc, tous ces mounas, encore vraiment, Mangati Belsa, bien sûr, et tout. Donc, encore remercier vraiment, vraiment, vraiment tous les policiers, jeudi là, qui ont accompagné moi, après ils sont en bataille à cette élection. Et mes chers artisans, faites le bon choix. Et le choix, c'est les artisans en action. Par contre, de grâce, faites le vote électronique. Parce que nous savons très bien qu'il y a la fraude, d'accord? Donc, nous savons très bien que la fraude qui a existé. Donc, si vous pouvez voter, c'est très simple à voter. Tout est expliqué dans l'enveloppe. Votez par le vote électronique. Donne la date du vote, tout ça. Le vote, c'est du 1er au 14 octobre. Donc, j'ai commencé à distribuer toutes les enveloppes dans les boîtes aux lettres des artisans. Vous pouvez voter. Je peux voter du 1er au 14. Il y a un monde important, m'a oublié, c'est Taxi Amérique Amé dans tout partout, M. Parchad et M. Moutou Sami aussi de Saint-François. Donc, en pas qu'à quoi m'a oublié pour moi, mais si m'a oublié, excusez-moi, mais à dit tous les 35 policiers, remerciez-nous vraiment, vraiment, remerciez-nous beaucoup. On y a aussi Mme Weber de Petit Canal. Donc, voilà, on y a Pamela Pommier aussi. Et Pamela Pommier, l'incontournable, parce que déjà Pamela, Pamela Pommier. Les contournants parmi la première. Donc, en tout cas, oui, vas-y. On prend une visibilité, justement. Est-ce que, comment ça se passe pour ce vote-là? La population n'a pas le droit de voter. Ce sont pas les entreprises. C'est uniquement que les artisans qui votent. D'accord. Les 16 468 artisans qui votent. D'accord. C'est eux seuls qui ont le droit de voter. Ils ont reçu leur bulletin de leur propagande dans leur boîte aux lettres où il y a les quatre listes. D'accord. Ensuite, ils ont deux modes de scrutin. Il y a le vote par correspondance. Tout est expliqué pour mettre dans l'enveloppe et déposer dans la boîte aux lettres. Ou sinon, il y a le vote électronique. Nous, nous préconisons le vote électronique. Ça va très vite. Ça prend 5 minutes pour voter. Oui, c'est révolutionnaire. Voilà. Et surtout, ça empêchera la fraude et ça donnera la légitimité à un président. Parce qu'il faut savoir que les deux dernières élections ont été recalées pour fraude électorale. Un pour fraude, l'autre pour révocation. Donc, il faut qu'on fasse attention à cela. On n'est pas à l'abri de surprises. Donc, les artisans de Guadeloupe, faites attention et faites le bon choix.
artisan en action. Alors, ta phrase de fin pour la population. Vas-y. Merci. En tout cas, aujourd'hui, la Guadeloupe, merci de m'avoir écouté. Je dirais aux artisans de notre pays Guadeloupe, notre île Guadeloupe, faites le bon choix. Faites le choix des artisans d'action parce que nous sommes une équipe d'hommes et de femmes de valeur. Nous sommes une équipe d'hommes et de femmes passionnés. Nous sommes une équipe d'hommes et de femmes motivés. Nous allons pouvoir changer la donne à la Chambre des métiers. Nous allons mettre l'artisanat le plus haut possible, surtout mettre l'artisanat le premier pourvoyeur d'emploi de Guadeloupe. Les hommes et les femmes qui m'accompagnent sont des hommes et des femmes de valeur. Je vous demande le suffrage. Je vous demande de voter pour nous et faites voter la liste des artisans en action. Aujourd'hui, l'artisanat a trop été vilipendé, a trop été sali. Gabriel Foy et son équipe, nous ferons en sorte de faire rayonner la Chambre des métiers, de faire rayonner les artisans, de faire rayonner l'apprentissage et surtout de former notre jeunesse Guadeloupe et d'accompagner nos artisans parce qu'ils en ont vraiment, vraiment besoin. Je remercie aussi surtout M. Damazo parce qu'à partir qu'on est terrible, la carte des trouvailles à travers les réseaux sociaux, en qu'attendent de tout et parfois n'importe quoi. Il y a des vérités qu'il dit. Ça peut gêner, ça peut blesser, mais c'est une réalité. Mais en tout cas, merci Eric de m'avoir donné cette tribune. Merci encore une fois. Akatien a dit que, en pas crier Eric, Eric criait moins pour nous faire une émission et encore remercier. Oui. Parce que demain matin, on peut dire que oui, fois passé, Eric. Non, non. Oh. Eric criait moins. En pas connaître Eric, ouais. Nous faire les présentations. Nous respecter les choses correctement. En cas, tiens à remercier parce que c'est un média aussi qu'il faut respecter et qu'il y a certaines vérités. C'est bien passé. En tout cas, merci à toi, Eric, de m'avoir donné cette tribune. Ouais. Ce n'est qu'un début d'un long processus et d'un long travail ensemble. Et comme je l'ai dit, une fois demain matin l'élection passée, une fois la victoire, je viendrai. Je t'appellerai de toute façon pour oui. passer. D'accord? Et une fois la victoire, on mettra en place une rencontre trimestrielle afin de faire découvrir l'artisanat autrement. Merci à toi. Ouais, moi, tu m'as convaincu. Hein. Je suppose que les internautes étaient convaincus. Moi, tu m'as convaincu. Franchement, merci. On a fait un long... Voilà, tu as répondu à toutes les questions avec pertinence. Et on voit que tu es un vrai Guadeloupéen engagé ou un mépépa. C'est ça qui est bien important. Okay? Merci à toi, en tout cas. Ouais, l'émission sera retransmise sur YouTube. Je t'envoie le truc, tu vas partager un peu partout. Ok? Merci à la Guadeloupe, merci aux Parisiens. Et oui, surtout. C'est quoi? Allez, l'OM? Ferrari. Ah! Mieux les antipèdes là. Ouais, les antipèdes. Ok, allez. Allez, bon courage. À la prochaine. Eh bien, voilà, les amis, c'était Gabriel Foy. Hein? En toute transparence. C'est ça le mise en pays, là, les amis. Il faudrait que les élus, les politiques, peu importe hein, ceux qui veulent briguer un poste pour pouvoir représenter les Guadeloupéens, voilà, vous venez la poste sans fil, on répond à toutes les questions, en toute transparence, normal, tranquille, nous pas à cacher. Voilà, c'est ça. En tout cas, Gabriel Foy, personnellement, moi, je vais valider. Hein. Moi, je vais valider. Pas ça pour vous autres, mais moi, je vais valider. Voilà. OK, les amis. Bon, nous pouvons faire long feu. On va se retrouver dimanche prochain, ok? On va recevoir Leila Chico, voilà, parce que on va reprendre l'émission Les États Généraux du Zoo. Donc, nous venons Leila Chico en invité, ok? Et puis, pas oublier, nous pas continuer, les amis, dénoncer. Pas oublier, ça, c'est très important. Nous pas continuer dénoncer. Nous pas continuer nommer non à moun. Nous pas continuer mettre moun, les élus, devant responsabilité à yo. Hein? Devant tout fait et geste, devant toute malversation à you. Voilà, c'est mission nous ça. Pour nous pas laisser les élus, toutes ces mouna qui sont vrai la cachée que les mettaient, pour nous pas laisser yo liquider le pays là, c'est très important. Ok? Alors, nous pas continuer de travailler là, les amis, nous ensemble. Nous pas continuer de dénoncer yo. Nous pas continuer de casserole à tout le monde dans la rue là. Tout le monde en radis bien. Ok? Sans parti pris. Mais pour nous casserole, c'est. Voilà. Ok? Parce que.
La seule manière dont on va pouvoir faire changer les choses en Guadeloupe, c'est comme ça. Parce que ça va vrai que yo tout ni casserole, a rien pas arrivé yo. Yo pas rentré sorti en garde à vue, hein? A rien pas arrivé yo. A rien pas arrivé yo. Hein? Yo mis en examen, yo yon paquet de gens que les mettaient, a rien pas arrivé yo. Vous, moi, la population. Donc il faut on pas avoir moins, donc il faut les, donc il faut qu'ils ont des problèmes de travail à zot, il faut qu'ils révoquent zot, il faut qu'ils blâment zot, il faut qu'ils suspendent zot, hein? Gars Eric Jalton, il mise en examen, pourquoi qu'il signe une fois par mois ou je sais pas la gendarme, hein? Ici contrôle judiciaire, il est encore en poste. Claudine Bajazé, qui met cette cause, elle a été déclarée inéligible. Inéligible, ça veut dire que voilà. Ou pas faire travailler bien, ou yon décide, voilà, mettez-vous de côté. La meuf, elle a fait appel, il en poste toujours. Qui moun encore? Marius Ponchard, elle a deux affaires en instance. Il en poste. Sans côté plein d'autres moun encore, qui n'ont pas quatre casseroles. Hein? Yon va faire défiler de mode, et mon verguin, monter et descendre mon verguin. A rien pas arrivé, yo, les amis. Les élus dans le pays ne sont pas inquiétés. A rien pas arrivé, yo. Et il y a un liquide pays là. Il y a détourné l'argent à Zot par million. Hein? Et tout détournement là, ça, qui moun qui te récolte de tout bita ça, c'est Timoun à Zot, c'est Timoun en nous. Il est temps que ça cesse. C'est les gens qui ont arrêté. Hein? C'est démystifier ces moun à ça. Dénoncer you. Voilà, c'est tout. C'est le plus important. Et les gens qui ont dénoncé you, nous quoi faire mal, les amis. Hein? Nous quoi faire mal, nous quoi sentir mal. Hein? Pas comprendre, yo pas senti mal, yo pas honte contre tout le monde. Mais tout le temps, nous au courant de ça, yo pas fait et nous pas dit aïe, ça veut dire que nous complices. Nous complices. Nous toutes fait bêtises. Comme on a dit aussi, moi on fait bêtises à l'époque, nous toutes fait. Mais nous les amis, nous dans la rue là à l'époque, pas tout le monde, je vais pas généraliser. Hein? Mais nous on l'a qui en la rue là, regardez toutes ces jeunes Timougais qui vendent drogue par exemple. Yo pas vendent drogue, pourquoi? Mais pour yo pouvez manger, pourquoi? Kamoun ka dit, c'est de l'argent facile, etc. Mais les politiques, c'est pas de l'argent facile. Hein? Tout ça qui est en politique, là, l'argent, je n'ai pas généralisé. Hein? Mais tous les élus qui sont à des postes à haute responsabilité, hein? Tout détournement à la question qu'on attend, là, c'est de l'argent facile aussi. On vous a dit que le deuxième business le plus lucratif après la drogue, c'est la politique. Ça veut dire que ni l'argent dans ça, les amis. Ni l'argent dans ça. Donc, faut yo savoir que la poste sans fil ka veye yo. Faut yo savoir aussi que la poste sans fil c'est les Guadeloupéens. Nous va veye zot. Et si jamais ils ont pas fait vaisselle à zot, ils ont pas lavé casserole à zot, eh ben la poste sans fil qui la veye à zot. OK les amis, mais nous va faire comme ça. On va se retrouver. De manière, continuez à suivre la poste sans fil. Continuez à partager l'actualité en nous. Nous ensemble, les amis, c'est un travail d'équipe que nous avons fait. Et quand on dit la poste sans fil, c'est un gang. C'est un gang à Guadeloupe. C'est le gang de Guadeloupe. Parce que les élus, certains élus, pour ne pas dire qu'on a généralisé. Parce que, en tant que la ville, c'est ça aussi. Nous avons dit, mais Eric, quand tu parles, il ne faudrait pas dire les élus. Il ne faut pas généraliser. Il n'y a pas tout élu qui est corrompu. Il n'y a pas tout élu qui n'est qu'à l'école. Mais les amis, lorsque Emmanuel Macron a été élu président de la République, avec, il me semble, 52% des suffrages, mais les 48%, c'est des gens qui n'ont pas voté pour lui. On vous a dit quoi? Les Français ont voté. On n'a pas dit une partie des Français ont voté Emmanuel Macron. On vous a dit les Français ont voté Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'une majorité des Français, la majorité a voté Macron. La plupart des Français ont voté Macron. La plupart des élus ne sont pas corrompus. Franchement. La plupart des élus ne sont pas corrompus. La plupart des élus sont corrompus, les amis. Lorsque je dis les élus, je parle bien entendu des corrompus. Tous les élus qui ne sont pas corrompus, ils savent très bien que je ne m'adresse pas à eux. Là, nous, la guerre veille, les amis. Parce qu'ils nous ont fait du tort. Ils nous ont fait du mal. Ils font du mal à la Guadeloupe. Ils font du tort à nos enfants. Parce que tout ça, ils ont fait là. C'est Timoun en nous qui a récolté. C'est eux qui ont récolté. C'est eux qui ont
toute dette là, habitat, l'eau là, tout ça, c'est quoi qu'on a fait pas là. C'est pas si mon nous, y'a qu'à laisser ça. C'est pas si mon nous, y'a qu'à laisser. Alors là, quand on des mouns qui a dit, yo, aimez si mouna yo, aimez si mouna yo, a pas baye bonbon tous les jours, mené McDonald's, baye tout ça yvelé, mettons la rance si compte tous les mois, ou pas mettons la rance si compte tous les mois, si mouna yo. Mais là, il y a 18 ans, 19 ans, il y a peut-être 50 000 euros si compte. Mais si il ne peut pas dépenser la rance là, ça, utiliser la rance là, ça, en pays, il ne peut pas faire rien, la rance là, ça, il est obligé d'utiliser à l'étranger. Est développé à l'étranger, si nous ne pouvons pas ranger la Guadeloupe pour nous. Mais pour nous ranger la Guadeloupe, il faut nous foutre toutes ces élus-là, là, qui ont fait un peu pour la Guadeloupe. Toutes ces élus-là, là, hein, qui ont pris la Guadeloupe pour Couillon. Toutes ces élus-là qui ont compris des dits. Hein, que la Guadeloupe n'est pas liée, écrit, la Guadeloupe n'est pas à comprendre. Non, non. Ils ont permis de faire tout ça, ils voulaient détourner l'argent, etc. Ils ont liquidé le pays, là, les amis. Il faut dire stop à cette hémorragie. Et la seule manière, vous en avez ça les amis, la seule manière de leur faire mal, parce que c'est mal pour nous faire. Si on nous fait un calotte, il faut faire un calotte. La seule manière de nous défendre, nous le peuple, eh ben, c'est de faire vaisselle à vous les amis. C'est de faire vaisselle à vous. Mais bien sûr, la justice n'a pas fait rien. Soit là, vous voyez, tout qui a monté un gagné. Ponchao, il aurait poussé à faire là en avril. Zoke voit encore en avril, il aurait repoussé en décembre. Voilà, il n'a pas fait nous marcher. Ah, il n'est pas arrivé pour ces messieurs. Mais il faudrait que ces gens-là sachent plutôt que le MEDS, nous, les Guadeloupéens, nous avons une justice en nous aussi. Même si la justice judiciaire, ce sont ceux qui jugent les gens. C'est eux qui ont mis l'argent, qui ont condamné. Mais il faut savoir que la population guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise, nous avons justice en nous aussi. Et ils savent qui gens nous qui fait justice en nous. Eh bien, nous avons foutu casse la zone dans la rue là. Ok? Pour nous montrer la population, vraie figure à zone, qui nous zoye. Et pour faire la population comprendre, pas voter, bah, c'est Mounassa. Mettre c'est Mounassa à côté, les amis. Voilà, parce qu'ils font du mal à la Guadeloupe. C'est l'homme qui est une femme, il n'y a pas hein? Mais si Bougaï a trompé, copine a avoué ça, copine a venu dire, pour en vrai, mais c'est pas bon. Mais c'est une femme à droite, mais c'est qu'elle a fait un bruit, qu'elle a copine a un conseil. Eh bien, nous croyons que la population, nous, compatriotes, nous, on conseille aussi. Nous croyons conseiller, mais c'est infréquentable. Alors là, les amis, c'est ça pour nous faire aller là. Pas n'est pas notre chimé, hein? Faut pas s'en paix. Faut pas s'en paix. Encore un long monde qui paie, qui a flippé, qui pite. Faut pas dénoncer. Faut pas... Oui, faut dénoncer ces messieurs. À part rien, que fait ça. Gagne quantité parler, on va parler, on va pas parler d'Amazo. Ah oui, on va porter plainte contre lui. Leur seule arme, les amis, les politiques, c'est de menacer nous. Oh, on va porter plainte contre quoi pour diffamation. Oh, on va porter plainte. Elle va porter plainte en zone. Elle va porter plainte en zone. Moi, j'ai toujours dit que ma seule arme par rapport à toute plainte à yo, c'est la vérité. Mon arme, c'est la vérité. Et qu'il pleuve, qu'il grêle, nous foutons qu'à ce qu'on a yo là, les amis. Parce que yo mérité. Qu'on le veuille ou pas, yo mérité. Et c'est mes séquences endormis, peuple, yo pas vu. Voilà, cravate à you, votez pour you, normal, comme si. Mais non, les amis, mais non. Alors là, nous ne battons à rien encore. Il faut que vous sachiez ça. Et rien ne peut mettre you devant la porte sans fil. Rien. Moralité, vous. À part si vous tuez, vous. Ok, les amis. Bon, eh bien, nous ne faisons pas ça, les amis. J'en l'ai. Merci, les amis, pour votre participation. Merci pour toutes les personnes qui suivent la porte sans fil. Qui crédibilise la pensée en fil. Et laissez-le parler. Vous pouvez parler, vous pouvez dire qu'elle aime bien. Tout le monde est honnête, les amis. Laissez-moi parler. Nous, c'est travail, nous, quoi, travail. C'est tout vent, nous, quoi. Nous, j'ai dit que nous avons un point. Et nous décidons pas, et tout doit être encore. Parce que les élus, là, tous ces corrompus, là, ils ont fait un peu de poche à Guadeloupe. Ils ont envie. C'est tout vent, ils ont bousé rien.
Mais nous, nous avons un point. Nous avons encore fou. Nous avons encore fou là, voilà, gupe là. Nous encore fou là, là, nous disons pas qu'il y a tout droit. C'est soit nous croyons à droite, soit nous croyons à gauche. Mais nous croyons pas pays en deux directions. Voilà. Ok, les amis, ben, nous croyons faire comme ça. Hein? Et puis, continuez à suivre nous, nous allons YouTube, nous allons Instagram, nous tout partout, les amis. Ok? Nous croyons faire comme ça. Allez, big force, et puis portez-vous bien. Et puis, bientôt, en quelques autres jours-là, nous allons faire une émission libre antenne, spéciale libre antenne, pendant 3-7 ans. Donc, vous pouvez téléphoner, bah, y a vie à zot, parler. Si vous avez un bita, dis-vous, non, bita, si qu'est à zot, vous avez un bita à dénoncer, vous avez non, mon a nommé. Nous pouvons faire une émission là, en sens là, ça. Pour Guadeloupe, vous pouvez parler, parce que Guadeloupe, vous pouvez parler. Nous pouvons parler entre nous. Vous pouvez empêcher nous parler. Mais nous bisez parler entre nous, les amis. Bientôt, nous allons faire une émission là, ça. Hein? Une émission libre antenne, nous allons nous occuper de téléphoner, voilà, etc. On va se conscientiser pendant 3 heures de temps, mais en direct. Ok, les amis? La poisson fait. À dimanche prochain.